Bonsoir à tous, bienvenue dans Beyond Gaming sur la chaîne Powerplay de Gaming Live, prise d'antenne un petit peu plus anticipé, un petit peu plus tôt que prévu, en remplacement de Dame Dame, à qui on souhaite eh bien un prompt rétablissement, puisqu'il a dû arrêter son stream un peu plus tôt, mais je suis là, chibre levé, pour prendre la relève. Et donc, eh bien, ce soir, on va s'intéresser, comme eh bien, une semaine sur deux, aux commentaires d'un tournoi Tetris The Masters qui s'est déroulé eh bien en juillet. C'est puisque c'est le 74e tournoi. Alors sachez que voilà, ces temps-ci, le 78e a été joué, que le 79e est prévu dans quelques jours, dans une dizaine de jours il me semble. Donc on est presque d'actualité. J'essaye eh bien de vous retransmettre au mieux ces tournois, même s'il y a encore un petit décalage, mais que ça va normalement eh bien vite se résoudre. Bien, avant de commencer eh bien le commentaire de ce tournoi Tetris, nous allons attaquer comme d'habitude, comme chaque semaine, eh bien les orgasmes de la semaine. Qu'est-ce qui s'est passé? Qu'est-ce qui a attiré mon œil de pervers dans le monde du super play? Bien, il y a eu pas beaucoup de choses. Comme vous voyez, là, c'était, ça a été difficile, hein. Ça a été une semaine, vous voyez, où mon poignet, eh bien, a été relativement tranquille. Alors, quand même, à noter une amélioration sur l'Any%. D'ailleurs, j'ai mis speedrun avec 3 E. C'est dire si c'est une amélioration incroyable sur Donkey Kong Country en Any%, où le jeu, bien, est terminé en 8 minutes 29. Alors, Any%, hein, c'est vraiment la manière la plus rapide de terminer Donkey Kong Country. Donc là, c'est-à-dire en utilisant des Wong War et tout ce qui va bien, donc ça donne pas mal de choses. Et c'est IPSRL qui a obtenu ce temps. IPSRL, qui est un joueur qui joue énormément à Donkey Kong Country, qui a énormément de mal aussi à le lâcher, parce que depuis le temps il s'adonne quasiment presque jour et nuit, on peut le dire, hein, à ce jeu. Alors je vous ai mis un petit un petit résultat intéressant. C'est quelque chose qu'on n'a pas forcément l'habitude de voir, du Wave Race 64. Voilà toutes les courses en fait qui ont été medlées avec les tours en fait les plus rapidement et puis rapidement bouclé. Donc encore une fois là, je vous renvoie directement bien sûr au Twitter @beyond_gaming pour voir un petit peu ce que ça donne cette vidéo, et c'est assez intéressant. C'est quand même un jeu qui est pas forcément évident, Wave Race 64. Alors vous l'avez suivi, énorme actualité encore cette semaine autour de The Wind Waker. Alors en fait, vous aviez peut-être suivi que SVA avait battu le record de Demon 9 il y avait peut-être quelques semaines, mais son run avait malheureusement trouvé quelques pertes de temps, hein, parce qu'à un moment donné, je crois qu'il avait plus de 4 minutes d'avance, et au final ensuite, il avait de justesse battu le temps de Demon 9 de quelques secondes. On a eu, je crois que c'était hier ou avant-hier en fait, quelqu'un qui est passé dans les 4 minutes 12 en fait, de justesse, donc 12, 4 minutes pardon, sur les 4 heures, excusez-moi, 4 heures 12, donc 4 heures 12 et 57 secondes, qui est Chaotic Ace, qui avait donc arrivé à franchir eh bien, cette barre des 4h13, et eh bien, Demon 9 a encore amélioré derrière dans la foulée, quelques heures après en soi, en sortant un 4h11min46 secondes. Donc voilà, c'est relativement impressionnant. Alors je sais pas si ces hommes vont encore aller très loin, hein. Je sais pas, parce qu'au début, moi, quand je suivais les speedruns de Wind Waker, on était à des temps, enfin on n'était pas encore en dessous des 4h30, même je me rappelle des runs qui passaient en dessous des 5h tout juste. Bien sûr, après avec la version HD, on avoisine maintenant les 4h, mais que sur la version HD. Donc quand je parle de la version HD, hein, c'est la version qui est sortie sur Wii U. Et là on parle bien de la version, alors oui j'ai pas précisé d'ailleurs, c'est pas marqué, c'est la version GameCube, hein, dont on parle. La version GameCube Jap. Alors je sais pas, je pense qu'ils vont encore réussir à gratter. Peut-être qu'un jour on va se trouver proche des 4 heures. Enfin voilà, c'est vraiment la folie, hein, cette année sur. Enfin cette fin plutôt, ces quelques derniers mois là sur Wind Waker, où il y a une compétition, il y a des temps qui sont vraiment battus de manière assez régulière avec 2-3 personnes. Pour qu'on pensait que Demon 9 était un peu seul au monde, hein, notamment quand depuis que Cosmo avait arrêté de runner la version GameCube de Wind Waker. Mais voilà, bah, il y a encore des améliorations. Mirror's Edge aussi, c'était Floobs qui avait jusqu'ici le record.
corps, eh bien, il avait amélioré d'ailleurs il n'y a pas très longtemps, je crois qu'il y avait quelques jours, et eh ben son corps encore a été, il a été détrôné, pareil, d'une poignée de secondes par Requiem, qui termine le jeu en 80 personnes, maintenant en 33 minutes 41 secondes, et là aussi, il y a eu beaucoup, hein, ces derniers mois d'actualité autour de Mirror's Edge, c'est sans cesse amélioré, ça fait plaisir, on va voir un peu, hein, jusqu'où ces gens peuvent aller, est-ce qu'un jour ils pourront toucher les 30 minutes, passer en dessous, peut-être. Alors il y a eu aussi un grand moment, alors cette semaine vous ne l'avez peut-être pas forcément suivi, parce que c'est vrai que là en plus ça nous intéresse. Alors oui, juste avant de parler de Tetris, puisque c'est ce qui va nous intéresser ce soir, il y a aussi Jonathan Stone. Alors Jonathan Stone, vous le connaissez peut-être, hein, c'est un joueur européen qui joue à Ocarina of Time en une personne, donc lui aussi sur une IQ, donc qui peut être un joueur qui a le potentiel de battre le record du monde, qui est actuellement à 18-10, toujours détenu par Cosmo, et il faut savoir qu'il a amélioré de 6 secondes, puisque actuellement Jonathan Stone est à 18 minutes 12, record qu'il a obtenu cette semaine. Il n'est plus qu'à 2 secondes de battre le record de Cosmo. Et apparemment, vu la ténacité de l'homme, je pense qu'il y a de fortes chances que. Voilà, je ne sais pas d'ici combien de temps, hein, parce que là, pour améliorer de 6 secondes, il a mis des semaines. C'est vrai que les dernières secondes à grappiller, hein, sont souvent excessivement dures. Mais je pense que là aussi, on va avoir un nouveau record, hein, qui risque de tomber sous peu. Donc oui, l'actualité de cette semaine là, qui est tombée il y a quelques heures, en fait, il y a un joueur qui a commencé à... Alors, c'est pas un joueur inconnu, hein, dans Tetris. Donc son pseudo, c'est KFC. Alors, je me souviens jamais de du nom de sa chaîne YouTube. C'est K... Attendez, est-ce que je l'ai là ? Donc qui est un joueur bien sûr japonais. Sa chaîne YouTube, ça doit être Kashiwa. Et Kashiwa, donc, qui était déjà qui est un très très bon joueur de TGM, donc que ça soit du... Alors du 1, je sais pas, mais du 2, faut savoir que le 2, il est GM Orange. Alors GM Orange, ça veut dire que... Bon, déjà il est GM. Orange, ça veut dire qu'il il complète le mode infini, le mode à construction invisible, en faisant 32 lignes, et il le terminait déjà en 7 minutes 18, ce qui est excessivement violent. Et là, en fait, aujourd'hui même, il y a quelques heures, il est donc devenu GM sur TGM3 en classique. Il a donc réussi son promotional exam. Et il a donc terminé sa partie en 5 minutes 37. Le temps est ce qu'il est, mais surtout, voilà, il faut savoir qu'il rentre dans la grande catégorie des 5 maintenant, parce qu'ils sont 5, des 5 personnes au monde à être capables d'être GM. Alors en classique, hein, parce qu'il y a des gens qui le sont en World, mais c'est vrai qu'on s'intéresse surtout au système de rotation classique, puisque c'est la série, de rotation qui a été imposée depuis le premier TGM. Et donc, eh bien, il rentre dans la cour des 5 personnes. Alors au moins, hein, référencé, parce qu'il y en a peut-être d'autres dont on ne sait pas qu'ils le sont, hein, ce qui est fort possible aussi, parce que c'est pas toujours facile de le savoir. Alors je vous rappelle en plus que pour être GM, ça se fait pas comme ça dans TGM 3, c'est absolument rien à voir comme dans TGM 2 ou des TGM 1, c'est-à-dire que vous pouvez pas être GM sur une partie. C'est un peu particulier, c'est-à-dire que il faut atteindre un certain niveau, donc être Master M, et ensuite être suffisamment régulier. Alors parce que le jeu a un compte, conserve vos statistiques, et être suffisamment régulier pour que le jeu vous propose un examen. Donc vous devez être connecté à votre compte, avoir été régulier dans toutes les parties que vous avez faites, au moins une dizaine, et vous devez réussir cet examen pour être GM. Et à partir de ce moment-là, vous êtes GM, et donc ça veut dire que toute partie potentielle que vous allez lancer en Master Mode dans TGM 3 va être GM. Parce que sinon, tant que c'est pas le cas, vous ne pouvez pas être GM en fait. Tant que vous n'avez pas eu l'examen, le niveau maximum que vous allez pouvoir atteindre, c'est Master M. Donc c'est un peu compliqué dans TGM 3, mais c'est aussi pour ça qu'il est aussi dur. C'est parce qu'il faut vraiment être excessivement régulier, mais pas seulement au cours d'une partie, mais également en fait entre les différentes parties. C'est pour ça qu'il y a peu de gens en fait qui arrivent à tenir ce jeu. Et la performance serait d'autant plus intéressante que parce qu'apparemment il serait arrivé en pas tellement temps que ça. Hein. Son compte relève milliers de parties, parce que le compte aussi vous indique le nombre de parties, ce qui est pas énorme. Hein. Bon, alors après, voilà, on va pas au plus... on est entre extraterrestres, parce que quand on parle des joueurs voilà, qui sont GM sur TGM 3, vous avez quelqu'un comme Khan. Faut savoir que Khan, qui était présent au Stunfest, il a débloqué en quelques heures
l'examen GM, donc en quelques parties, c'est vous dire la violence de cet homme. C'est-à-dire qu'en une dizaine de parties, le jeu lui a proposé l'examen GM et il l'a réussi. Du coup, il a été GM en fait juste avant son passage sur la grande scène le dimanche. C'est pour vous dire où certains sont, et encore pour dire que voilà, Cannes, il est quand même vraiment très loin dans le jeu. Mais en tout cas, félicitations à KFC, donc qui rejoint eh bien Jinpachi, Cannes, 10 et SKH, et peut-être d'autres, hein, voilà, qu'on ne connaît pas. C'est-à-dire qu'on estime qu'il y en a au moins 5 hein, aujourd'hui, mais si ça se trouve, il y en a quelques autres pour les voir. Son pseudo, bien sûr, hein, peut prétérer à son pseudo. Là, c'est son pseudo. Son pseudo compressé, puisque vous êtes obligé de mettre trois lettres pour votre compte. C'est vrai que KFC, c'est assez marrant, j'avoue. Voilà, donc c'était une information qui est tombée il y a quelques heures, et c'est vrai qu'on parle beaucoup, beaucoup de Tetris, c'est intéressant. Donc toutes les vidéos, bien sûr, vous pouvez retrouver, si vous êtes intéressé, bien sûr, le Twitter @byung_gaming. Il existe aussi une page Facebook, hein, si vous êtes intéressé. Je peux d'ailleurs, on a le temps, hein, on a le temps, je peux vous mettre tout ça. Voilà, je vais vous mettre ça dans le chat. Profitons du chat et d'avoir des gens ici. Alors bonsoir, bien sûr, à tous ceux qui sont là. Larry, Temet, Aseb, It's Bast, FX, MFW, Resaluroed. Voilà. Donc vous avez là les liens qui vous mèneront à ces différentes choses si vous êtes intéressé par les vidéos. De toute façon, je vous ferai très certainement une série de climax, donc qui sont des formats courts hein, que je fais, où je vous commenterai, je pense, cette partie ou d'autres, parce qu'il a mis aussi une vidéo assez intéressante sur son channel YouTube des différentes parties à partir de son M9 jusqu'à son MM et donc son Promotional Exam GM pour montrer l'évolution en fait. Il a fait un montage et il a collé ces différentes. Se faire partie, c'est pas sale hein, quand je dis ça. Et du coup, la vidéo doit durer un peu plus de 40 minutes et ça montre la progression en fait de ce joueur, ce qui est assez intéressant. Voilà, en tout cas, félicitations à KFC et je vous commenterai ça dans les jours à venir et je mettrai ça à disposition directement sur mes chaînes YouTube. Voilà, pour les orgasmes de la semaine. Alors, il n'y avait pas tellement de choses, mais il y avait au final beaucoup de choses à dire s'il n'y avait pas forcément. Voilà, j'ai fait une petite sélection. Hein. C'est sûr qu'il y avait d'autres choses. Il y a notamment un record en Mario Person sur Super Mario 3D World. Bon, j'ai pas estimé que c'était ultra, ultra intéressant, mais voilà, il y a eu bien sûr d'autres choses et je vous fais une petite sélection chaque semaine. Bien! Revenons à ce tournoi. Donc, 74e tournoi, il a lieu le 19 juillet 2014. Alors je rappelle comment se passent un petit peu ces tournois pour ceux qui découvrent. Donc en fait, un ensemble de joueurs se réunit dans cette salle où il y a 4 bornes, donc qui disposent du jeu de manière officielle avec la carte, circuit imprimé dans la borne. Ces bornes possèdent donc des panels de joueurs, donc ça veut dire qu'on peut jouer à 8. Sur chacun de ces panels, il y a un chronomètre. Et en fait, on va avoir un tournoi de la façon suivante. Comme tous les joueurs n'ont pas le même niveau sur TGM1, alors le but bien sûr, hein, c'est de gagner. La condition minimum pour participer, c'est d'être GM. Donc sur TGM1, c'est faisable pour tous. Et donc ensuite, vous allez être classé par rapport à votre meilleur temps. À partir de ce meilleur temps, et suivant la poule dans laquelle vous allez tomber, eh bien, il y a un handicap qui va être décidé par rapport au joueur le plus faible. Donc le joueur qui est le plus lent à être GM. Et cet handicap, eh bien, il faudra réussir à en venir à bout si vous voulez vous qualifier pour les tours suivants. Donc en fait, vous faites une partie solo. D'accord? En un certain temps, mais il faut finir votre partie solo avant les gens qui vous entourent. C'est le principe en fait des tournois Tetris. Et dans ces tournois The Masters, vous avez la crème de la crème. Hein. C'est-à-dire qu'on a quasiment à chaque fois, bon, c'est pas toujours vrai, mais quasiment à chaque fois, chaque mois, parce que ce tournoi est mensuel. Eh bien, les meilleurs joueurs mondiaux, on peut le dire, hein, sur TGM1, sans forcer, puisque vous avez les 4 joueurs qui sont sous les 9 minutes. Hein, hors Japon, ça n'existe pas, des joueurs qui sont GM en moins de 9 minutes sur le premier TGM. Donc là, on parle vraiment du premier TGM. Je viens de vous parler du 3 concernant KFC. Là, on sort TGM1, donc un jeu qui est un petit peu plus lent, qui n'a pas les mêmes possibilités que TGM 3, mais qui est aussi tout à fait impressionnant quand il est joué à haut niveau, parce que ces hommes ont une maîtrise de la construction. C'est incroyable. Bien. Alors, dans ce tournoi, pour une fois j'y pense, parce que je vous oublie chaque fois de vous mettre les poules, parce qu'ils ont un peu changé la feuille de résultat, donc du coup c'est plus difficile de vous faire apparaître le nom des joueurs clairement. Donc deux poules, puisque ce soir c'est un tournoi à 12 joueurs.
Donc, deux poules de 6 pour commencer. On va avoir Zone, SQR, Iyoko, Korian, Hatchar, Esken dans la poule A. Et dans la poule B, on aura Makimaki, Yashichi, Nico From Tokyo, Jin Pachi, CRC Loom et SAL. Alors, des joueurs que je connais pas beaucoup, hein, CRC Loom notamment et Zone, je n'ai jamais vu jouer. À en croire leur écart de temps, ils sont assez forts hein, parce que ils ont un différentiel assez élevé par rapport à d'autres joueurs. Donc, se classe quand même à un niveau tout à fait correct. Donc je pense pas qu'il y aura de grands soucis pour ces joueurs. On va voir un peu s'ils vont s'habituer, surtout on va dire au rythme imposé et le fait de se retrouver dans un tournoi, ce qui est pas toujours ce qui est pas toujours facile hein, parce qu'il faut faire des bonnes parties, il faut les enchaîner et ça c'est pas évident si on n'est pas habitué au format d'un tournoi. Allez, on va attaquer sans plus attendre. Donc si tout va bien, voilà la vidéo est ici. Alors par contre, ne vous inquiétez pas. Donc là, on va voir la poule A hein, tout de suite qui va commencer. Hop, on va se séparer de cette petite musique de fond. On va attaquer tranquillement cette poule-là. Donc par contre, la partie, vous voyez, a commencé déjà. La poule-là depuis 30 secondes. Et donc c'est Hatchar hein, qui a commencé les hostilités. Donc Hatchar qui va jouer en player 1 sur la borne 3. Il va, voilà, donc on a déjà un petit peu raté le début de sa partie, mais vous voyez, c'est pas très très grave. Hatchar à côté de lui va être confronté à Esken qui va démarrer qu'une minute 50 après lui. Donc vous voyez que les différents joueurs vont être vraiment espacés. Mais à part Hatchar, les autres sont assez regroupés autour de la minute et ça va varier un petit peu autour, voyez, de la minute 30 hein, grosso modo pour essayer d'obtenir une place au tour suivant. Donc là seul, donc si je dis pas de bêtises, ça doit être 4 hein, 4 joueurs parce que là ils ont changé la feuille de match, c'est vrai qu'elle est vraiment bizarre. Donc 4 joueurs vont se qualifier. Puisqu'on a deux poules, donc il nous faut 4 joueurs de la poule A, 4 joueurs de la poule B, pour réussir à faire 8 joueurs au deuxième tour. Alors ça y est, Zone vient d'entamer sa partie. Alors là, beaucoup de joueurs vont aussi démarrer la leur. Voilà, on voit en bas Korian hein, qui vient d'attaquer la sienne. En bas à gauche, il va y jouer tout seul sur sa borne, ce qui est un avantage. Donc les autres construisent assez vite. Hein. Vous voyez, Zone, je le connais pas spécialement, mais ça a l'air d'être un joueur quand même qui a une dépose de pièces assez assuré, qui a l'air d'aller rapidement à l'essentiel. Alors, juste petite précision, en TGM 1, en fait, au début, vous n'avez pas de Sonic Drop, donc vous êtes obligé de faire bas pour poser les pièces le plus rapidement possible. Le seul truc, c'est que quand vous utilisez cette possibilité, vous n'avez pas, en fait, grosso modo, le droit à l'erreur, puisque votre pièce va se bloquer automatiquement. C'est-à-dire quand vous faites bas, la pièce se lock dès qu'elle touche la construction ou la base de l'aire de jeu. Donc il va falloir faire gaffe à pas trop faire d'erreurs. Et en fait, le truc, c'est que dans TGM1, le jeu est quand même assez lent. Alors normalement, il est quand même bien calibré pour que vous réussissiez à le finir sous les 13-30 avec les différentes conditions pour être GM. Mais si vous voulez aller le plus vite possible, bah, il va falloir maintenir un jeu très haut, puisque la vitesse de chute des pièces est assez lente. Le fait de faire une ligne prend énormément de temps, donc c'est excessivement coûteux, hein. C'est le TGM en termes de destruction de ligne qui est le plus lent. Donc du coup, il faut bien penser à plutôt faire des doubles, des triples, des Tetris que des simples, c'est-à-dire autant faire passer 2 levels avec, voire même 3 levels si vous faites un double, hein, puisque à chaque fois qu'une pièce apparaît, vous passez un level. Le but hein, pour un joueur, eh bien, c'est de terminer ces 999 levels le plus rapidement possible, mais le mieux possible, afin d'obtenir une note. Vous voyez, cette note est matérialisée là pour le moment par des gros chiffres qui sont en haut à droite, juste à côté de l'aire de jeu. Ce chiffre va évoluer pour atteindre S9. Et si vous êtes S9, que vous avez 126 000 points, que vous avez respecté des seuils intermédiaires et que vous terminez pardon, le jeu en moins de 13h30, 13 minutes 30, et bien normalement vous devez être GM. Et c'est ce que ces joueurs doivent faire absolument. Alors, il peut arriver, hein, bien sûr, que les joueurs ratent le GM. Dans ce cas-là, alors, soit, en fait, vous êtes en compétition avec un joueur. Vous ratez votre GM. L'autre joueur le réussit, c'est lui qui est qualifié. Par contre, si vous ratez votre GM et que tous les autres joueurs ratent le GM, c'est le premier qui a fini qui sera qualifié. Et en cas de mort, bah, on va reprendre les derniers, en fait, hein. C'est-à-dire que si, par exemple, tout le monde meurt et qu'il y a un mec qui finit GM... Eh ben, on prendra les 3 autres qui sont morts le plus, on va dire, qui ont mis le plus de temps pour mourir, voilà.
Donc vous voyez les autres joueurs ont continué assez vite. Hatchar va avoir fort à faire. Hatchar qui est un petit peu plus lent à titre indicatif. Hatchar, pourtant c'est pas mal, hein. Il est quoi? Oui, il est GM. Il est GM en 11-37 apparemment. Là c'est son temps qui a non pardon, ça non, j'ai une bêtise. Attendez. Non non, il est GM, excusez-moi, en 10-49, excusez-moi. Il est GM en 10-49, ce qui est un temps pas si mal. Il rentre dans la sphère des 10 minutes. Ça veut dire que c'est déjà un joueur assez régulier qui a une bonne habitude de TGM. Mais c'est vrai que tous les autres joueurs, bah, forcément, construisent dans les 9 minutes, excepté Esken, qui lui, eh bien, est en dessous, hein, puisqu'il est à 8 minutes 58. Hein, c'est un des 4 à être passé dans la sphère des 8 minutes. Et là aussi. Ça fait partie de ces extraterrestres, hein, pour celui-ci. Passer dans les 9 minutes sur TGM1, hein, ça veut dire être excessivement redoutable, notamment dans les petits levels, parce que c'est là où c'est le plus difficile, en fait, quand vous avez peu de vitesse de chute des pièces. Mais après, c'est le joueur. Là, par contre, attention, il y a quelques difficultés là pour Yoko, qui est en train d'essayer de survivre tout en haut de son écran. Il a pris pas mal de risques. Oh, il va quand même récupérer. Il faut la barre. Il faut la barre. La barre qui arrive, il a pas la redresser. C'est parfait. C'est récupéré pour Yoko. Yoko qui se trouve en haut à droite. Hein, le seul joueur, d'ailleurs, hein, qui se trouve sur la borne 2 en player 1 et qui s'est fait une petite frayeur là, Yoko. Alors on va quand même regarder un petit peu les levels. Donc forcément Hatchar est en tête, hein, puisque c'est lui qui a démarré. Il n'a pas encore eu le temps de se faire rattraper. Pourtant, croyez-moi que ça va pas tarder à arriver, mais largement, je pense, largement avant la fin. Yoko qui est toujours en train de souffrir là. Ah, il a du mal à récupérer, se fait un petit peu charrier par la distribution. Allez, ouais, donc là il est obligé de faire du casse-casse pour essayer de récupérer les erreurs qui se sont eh bien répandues à droite et à gauche de son jeu, ce qui est très embêtant. Il vaut mieux avoir une grosse erreur que vous allez pouvoir récupérer d'un coup, plutôt que plein de petites erreurs comme ça. Et là il est en train d'essayer de lutter, ça y est, voilà, il a bien récupéré Yoko, mais il s'est fait une petite frayeur. Attention d'ailleurs, juste à côté, SQR qui lui aussi va attendre. Ouh là là, attention SQR là. Il est un petit peu bloqué parce qu'il a une sorte de cuvette dans son jeu. Voilà, ça y est, il a pu récupérer cette cuvette, la barre qui arrive au bon moment. Parce que le truc, c'est que comme il avait, en fait, si vous voulez, un vase dans sa construction, il pouvait pas faire basculer de pièces sur la... Ah, il meurt justement. Oh là là, c'est la mort. Alors là, il a fait... J'ai pas compris. Je pense qu'il a bloqué sur une suite de pièces et c'est assez énigmatique. Il a raté la dépose de ce S ou de Z. Du coup, après, il a bloqué le carré et ça a été fini après. C'est les pièces qu'on spawnait qui se sont... enchaîné. Je pense qu'il a pas réagi en fait. Il a pas vu qu'il a maintenu bas et il a calé sa pièce. Oh la grosse surprise, hein, parce que SQR, bah, c'est une des personnes, hein, qui gagne le plus de tournois TGM avec Jinpachi, tournois The Masters pardon, avec Jinpachi très certainement. Il est en même temps aussi souvent présent. Hein. Il est GM, hein, sur TGM2. C'est un très 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 bon joueur. Là, c'est une surprise, hein, de le voir, eh bien, comme ça, lâcher du lest et se faire surprendre. Vous voyez, ça peut aller très très vite, hein, des fois. On est en train de construire, il y a une pièce qui se bloque et du coup, dans l'enchaînement, comme vous avez votre rythmique, vous continuez à jouer et c'est trop tard, en fait. Bah, vous n'avez pas forcément le temps de reprendre. J'ai pas eu le temps, il était à quoi, 4 minutes 50. Ouais, il est mort juste avant. Il est mort dans le pré-20G, en plus. Alors le pré-20G, c'est tout simplement le seuil avant la vitesse maximale de chute des pièces qui apparaît au level 500. Les pièces en fait apparaissent instantanément puisqu'elles elles traversent en une frame une colonne qui ferait une hauteur de 20 petits carrés. Donc c'est pour ça, comme votre aire de jeu fait 20 par 10, donc 10 en largeur, 20 en hauteur, et bien on a l'impression que, c'est pas on a l'impression, mais du coup la pièce, et bien apparaît directement. Attention, et ça va être aussi Corian maintenant. Ah, Corian qui vient de s'en sortir de justesse là. Oh là là, qu'est-ce qu'ils ont aujourd'hui? Qu'est-ce qui se passe? C'est la chaleur du mois de juillet là, ça se on l'a mal vécu au Japon. Ah yeah, c'est bon, ça y est, ouais, Corian qui s'est fait excessivement peur. Heureusement il avait beaucoup de d'erreur double après, donc du coup ça lui permet de récupérer assez vite son jeu, parfaitement maîtrisé, mais encore une fois là aussi une frayeur, hein, du côté d'un autre joueur, après SQR qui a eu beaucoup de mal, et eh bien c'est maintenant Corian, un magnifique mouvement là d'ailleurs, la part de Corian qui est en bas à droite, hein, en bas à gauche pardon, si vous ne l'avez pas situé sur vos écrans, qui a fait un magnifique mouvement que j'aime beaucoup avec le T.
pas évident à réaliser pour Korian. Donc oui, je voulais faire un point sur les levels, alors que Hatcher est en train de se faire rattraper très rapidement par Zone, hein, Zone qui eh bien qui se fait peut-être oublier, on le connaît pas, c'est un méconnu, mais il est déjà derrière Hatcher puisqu'il est à 760. Il est à le rattraper, Hatcher, qui va pas réussir à m'en tenir très longtemps, et ça rien, ça arrive vite, hein. De toute façon ça arrive vite parce qu'ils sont tous autour de 740-750, que ça soit Ioko, Esken, Korian. Bon, Hatcher qui va se faire déborder, malheureusement il va pas réussir je pense à trouver quoi que ce soit pour tenir à la dragée haute, hein. Hatcher qui est un joueur beaucoup plus lent, et là forcément eh bien au bout d'un moment la chronologie, enfin la chronologie, on va dire les rangs et les capacités de chacun vont être respectées, le niveau, les niveaux vont se retrouver. Ouais, alors quand même Hatcher qui a bien réussi à récupérer, enfin bien libérer tout son espace de jeu, ce qui fait qu'il a plus de possibilités, ce qui n'est pas forcément le cas, vous voyez, de Zone, hein, qui est complètement en haut à gauche, qui lui va avoir voyez, plus de pain sur la planche, puisque du coup quand une barre va se présenter, il va pas pouvoir faire tout de suite un Tetris, ce qui va lui faire perdre un petit peu plus de temps. D'ailleurs, vous voyez, là il n'arrive pas tout à fait à rattraper ou à vraiment distancer Hatcher, il est un petit peu en difficulté, et les autres vont arriver par contre. Et Hatcher là a une possibilité, je pense, de se redétacher un petit peu, même si on voit qu'à côté de lui, un Esken est au coude à coude, il est en train de passer devant Esken. C'est vrai qu'il y a un meilleur jeu, vous voyez, il y a pas mal de possibilités, notamment en bas du jeu, même si là il n'y a qu'un double ou un triple qui est sorti, ça devrait passer, en tout cas ça suffit, hein, pour égaliser avec la vitesse de construction et se trouver au même niveau que Hatcher pour Esken. Mais est-ce que ça va tenir longtemps, est-ce qu'il va pas vraiment, on sait pas. Allez, Zone qui passe, donc là Zone qui a passé son 900 aussi, oh, ça s'est accéléré, hein, parce que Zone qui a récupéré du terrain, il est maintenant au même niveau que Esken. Donc là ils sont diamétralement opposés, hein, quasiment. Zone en haut à gauche, Esken en bas à droite, et ils sont pour le moment les deux qui sont en tête, même si Zone, ah, c'est vraiment serré, difficile de dire qui entre Esken et Zone pourrait terminer pour le moment premier. Et derrière on regarde, mais ça serait plutôt Ioko qui serait en bonne voie pour se qualifier, et Korian a priori, ça serait les quatre joueurs qui sont à ce moment là bien placés. Faut-il encore finir GM, ça va aller très vite là à la fin. On est à 890, 870, on sait pas qui c'est qui va finir le premier, 970, 987, il y a Ioko aussi, hein, qui est bien avec son 970, très très serré là le finish, je pense. Ah, ça va jouer entre Esken et Zone, ils sont tous les deux S9, ils ont tous les deux plus de 126 000 points, GMSC, oh, c'était dur, ça a été pas évident. Je pense que c'est Zone qui a fini, d'après la feuille de match, c'est ce qui est indiqué d'ailleurs aussi, c'est Zone qui a fini juste avant Esken, ça s'est joué à rien. Zone qui a fait une partie en 9.56, hein, alors que Esken a fait une belle partie en 9.30. Et donc ensuite de qualifier Esken, oui bon ça vous le savez, Esken, pardon, Korian et Ioko. Voilà, il n'y avait pas eu de surprise, hein, sur le finish. Ioko qui a fini en 10-16 et Korian en 9-53. Bon, ok, ça commence avec une bonne petite partie, hein, tranquillement on va dire. Honnêtement, avec une première poule qui s'est pas trop mal jouée, donc Esken qui a l'air d'être présent, Korian qui nous a fait peur, par contre, disparition assez surprise de SQR. En même temps, SQR, hein, c'est l'homme qui est habitué à passer par l'air pêchage avant de gagner le tournoi. Il nous le fait, il nous l'a fait dernièrement. Et c'est vrai que des fois il fait des résultats un petit peu en demi-teinte. Il passe par l'arpêchage et il sort et il finit par gagner le tournoi. Hein. Donc, deuxième poule. Donc cette fois-ci on va avoir dans cette poule Nico from Tokyo, Jinpachi, Yashichi, Makimaki. Qui c'est que j'ai oublié? CRC Loom et SAL. Voilà, on a fait un petit peu le tour. Donc vous avez vu eh bien que c'est Nico from Tokyo en bas à gauche qui a attaqué, hein, Nico from Tokyo qui est français, Nico from Tokyo qui actuellement a un meilleur temps GM de 11.52, donc c'est vrai que c'est le joueur a priori sur le papier le plus lent du tournoi. Pour ce tournoi de juillet, c'est vrai qu'après l'autre joueur qui va être un peu lent c'est Yashichi, mais Yashichi qui termine quand même le jeu en disant plus lent, il est quand même à 11 minutes 19. Donc vous voyez, quand vous avez une certaine habitude du jeu, les seuils des 13-30 en règle générale se passent bien. Normalement on va vite tomber en dans les 11 minutes, par contre après commencer à passer en dessous, hein, il faut vraiment doser le jeu et surtout s'habituer en début de partie à la distribution
Et au placement dans les hauteurs des pièces, vraiment, vraiment, on va dire, très bien pensé, c'est-à-dire avec une construction très compacte et qui va permettre aussi de casser les pièces. Voilà, d'ailleurs, Nico Frandoukle qui s'est fait surprendre, c'est bon, il a eu heureusement. Encore, il est à 150, donc il va bénéficier d'une vitesse suffisante pour insérer des pièces dans certaines encoches. C'est l'avantage d'être à 150, alors qu'il va avoir un nouveau ralentissement à 200. Donc, il a bien fait, là, il a bien fait. Il va faire remonter son jeu tranquillement avant d'atteindre les 200. Alors, pendant ce temps, il y a CRC Loom qui a rejoint la partie, mais c'est également le cas de Yashichi, beaucoup plus tôt. Et là, on voit SAL et Makiki. Makiki, mon Kiki. Makiki, pardon. Mon Kiki. Eh oui, vous êtes en train de voir mon Kiki qui joue. Ah, c'est incroyable. Ah, quelle dextérité, hein. Oh là là là, cet homme, il est vraiment formidable. Regardez, il est droit comme un i, il est droit comme un Kiki. On a du Gilux. Ah, je vais arrêter. C'est minable. Donc, Makiki, qui donc joue en haut à gauche, pardon, en haut à gauche. Donc lui, il est à 9,34, hein, son meilleur GM, donc ça bricole pas. Et il va essayer de rattraper, de se qualifier. Là, encore une fois, seulement 4 joueurs vont réussir à se hisser au deuxième tour. Le deuxième tour, donc c'est l'affrontement entre les meilleurs de poule en fait, hein, dans un tournoi. Donc c'est toujours un tour assez, assez intéressant. Après, on aura en fait un repêchage pour désigner les joueurs qui feront partie de la demi-finale avec les 4 meilleurs qui seront sortis du deuxième tour avant la grande finale. Oh, comment ça, ce pétage de plomb? Tout à fait normal, tout à fait normal. Je me suis laissé emporter. J'ai cru que j'étais en train de commenter un match de la nouvelle équipe d'e-sport de YouPorn. C'est pour ça je me suis laissé complètement emporter. Excusez-moi. Ah, c'est ça, hein, c'est la folie du commentaire. On sent l'adrénaline monter, la sève printemps, hein, qui irrigue la tige des. Enfin bref. Donc, on va regarder. Oh là là, alors que. Ouais, il y a malheureusement Yashichi là qui est en petite difficulté. Il se fait peur, il atteint la barre, il atteint la barre, hashtag j'ai la barre, elle arrive, ça y est, elle est arrivée, c'est bon, il va pouvoir s'en sortir. Ah non, ça va pas aller. Ah malheureusement, ouais, ça y est, en 2-3 pièces, mais on va réussir à se donner de l'air. Oh, Yashichi qui respire. Qui s'est fait pas mal peur. Pourtant, bon, là, on est qu'au début de la partie. Donc, Nico Frontokyo est à 338, 340, vous voyez. Derrière, on est déjà dans les 200, hein, quand même. Hein, c'est plutôt propre, surtout que vous voyez qu'il y a quelqu'un comme CRC Loom qui a commencé 1 minute 57 après Nico Frontokyo. Il est à 224. Et il est, ouais, il a qu'une centaine de levels, hein, des hommes qui sont devant lui. Ça veut dire qu'il a déjà construit un petit peu ou suffisamment rapidement, notamment en tout début, hein. Et c'est vrai que c'est ça, on se rend pas compte, hein, mais ça se joue là. Après, le jeu à 20G aussi est assez impressionnant des fois à voir, pas pour ces joueurs, mais la manière dont ils arrivent à jouer vite alors que le jeu va pas vite, justement au début, tu te demandes vraiment comment ils font, hein. Ils sont tout le temps en train de faire bas sur le stick, ils sont, je sais pas, je sais même pas comment ils font ça, quoi. C'est voilà, c'est des hommes d'un autre monde, hein. Croyez-moi que ce que vous voyez, hein, même s'il y a certains joueurs qui vous paraissent un peu faibles, ils restent dans l'ensemble quand même tous assez puissants. Alors 240 là, 4 qui viennent d'être franchis par Jinpachi. Alors Jinpachi qu'il va falloir surveiller, hein. Jinpachi, c'est un peu le papa, hein, tournoi Tetris, le daron des tournois Tetris, et puis même dans la communauté dans la communauté TGM, voilà, c'est quelqu'un qui est assez connu. Si vous avez vu une vidéo un jour dans votre vie de TGM3, où c'était fini en mode invisible avec des mains sur un panel, il y a de fortes chances que ça soit la vidéo où Jinpachi jouait, hein. Donc, d'un joueur quand même qui est assez, on va dire, légendaire dans l'univers de TGM, qui est bah, bien sûr un GM sur les 3 TGM, ce qui n'est pas non plus à la portée de tous, hein. Et qui est bah, un grand habitué, hein, des tournois, qui vient assez souvent, de manière assez, assez sympathique, participe beaucoup beaucoup à ces tournois.
Et il est souvent bien placé, hein, parce que comme je le disais avec SQR, c'est l'un des joueurs qui a les meilleurs résultats en tournoi TGM. Alors c'est vrai qu'avoir des bons résultats en tournoi TGM, c'est surtout être excessivement régulier par rapport à son PB. Et c'est vrai que Jean Pelletier, là vous allez le voir, en train de faire des choses assez bizarres. Il est en train de tourner le jeu dans tous les sens, et ça c'est un peu habituel, j'ai envie de dire, hein, pour Jean Pelletier, de compléter son jeu de cette manière-là. Ça peut paraître étrange, hein, parce que c'est absolument pas, on va dire, classique comme construction. On évite, en fait, c'est bien d'avoir une tour, par contre, on évite que cette tour soit désagrégée en son centre, parce qu'après, la récupérer est jamais très très évident, parce que vous pouvez vous faire troller si vous avez jamais la pièce que vous attendez pour compléter l'intérieur de la tour. Et là, bah, lui, bon, il y arrive, hein, voilà, c'est aussi pour ça qu'il est excessivement fort. Mais il y a des gens, hein, comme ça qui construisent de manière assez différente. Regardez aussi un peu SQR de temps à autre, bon là, il n'est pas en train de jouer, hein, mais de temps à autre, construire, et vous allez voir qu'en fait, il construit pas comme les autres, en fait. C'est-à-dire que classiquement, le jeu, on va faire en sorte de laisser une cheminée à droite. Bon, ça, vous l'avez facilement repéré. Mais normalement, on va essayer plutôt de le compléter par la gauche, éventuellement d'avoir des escaliers et tout. Mais on va surtout, quand on va commencer à avoir des erreurs, les déporter le plus possible vers la droite. C'est très rare qu'on les mette ailleurs. Et des fois, SQR, de façon assez surprenante, va se mettre à créer des puits à Tetris complètement à gauche, en fait, pour récupérer son jeu d'éventuelles erreurs et tout, et ça lui réussit, hein. Mais voilà, ça fait partie des joueurs, un peu comme Khan aussi, qui ont des constructions. Alors Khan, c'est autre chose, hein. Quand Khan joue à TGM1, c'est surtout parce que lui, il joue principalement à TGM3. Donc du coup, il a des... Comment dire, il a des réflexes, des automatismes, voilà, je cherchais mon mot, des automatismes vraiment qui ressemblent plus à TGM 3 et qui du coup dans TGM 1 ça peut donner des choses un peu bizarres, mais bon, ça lui permet quand même de survivre, mais c'est pas du tout la même chose. Attention à Yashichi qui est en hauteur, là faut qu'il fasse gaffe, il attend la barre, faut qu'il casse là. Voilà, faut qu'il casse, là parfait, il faudrait quand même que la barre arrive. Alors, il maintient, vous voyez, une petite hauteur pour faire tourner la barre, voilà, parfaitement. Il cherche pas à casser là. Ouais, parce que ça, la barre, il va pas pouvoir la faire tourner, il est obligé de la casser. Il prend beaucoup de risques, Yashichi, parce que honnêtement, il aurait dû casser beaucoup plus tôt, c'est-à-dire quitte à faire une ligne. Ça va être compliqué là. Le jeu devient très difficile. Ah, c'est quand même bien vu ça de Yashichi, de la part ce déplacement du T complètement sur la droite. C'est plutôt bien géré. Ah, et là, il va pouvoir faire un double avec son T. Ok, bah, il s'en est très bien sorti, mais il a pris, ouais. Il a pris un chemin assez dangereux. Vraiment assez dangereux. Il y en a d'autres qui sont en train de prendre un chemin dangereux. C'est mon Kiki. Mon Kiki prend des chemins dangereux. Alors, ma Kiki, donc, heureusement que ces joueurs ne comprennent absolument pas toutes les conneries que je raconte durant les commentaires tout à Tetris, parce que je me ferais absolument virer. Hein. Ils refuseraient que. Ils seraient complètement contre l'Eurostream. Le commentaire en français de ces tournois. Hein. Ça serait intordable. Donc là, Maki qui vient de passer son S7, qui est à 715, hein, mine de rien. Alors 715, c'est pas si mal placé parce que Nico Frontokio à 770, il se commence, vous voyez, à se faire rattraper un peu violemment par Yashichi. Alors par contre, pendant ce temps, CRC Loom, là, je sais pas justement s'il a une erreur de CRC, mais ça se passe pas très bien. Hein. Le jeu, là, lui dit clairement non. Il lui dit range-moi ça, range ta chambre avant d'essayer de penser à rattraper Nico From Tokyo. Et c'est ce qu'il va essayer de faire. Alors, bon, voyons voir son jeu. C'est surtout qu'il est en train de perdre du temps, là. Il n'est pas en situation, voilà, de mort imminente, hein. Mais par contre, avec ce genre de problème, ah, il a intérêt, ouais, c'est ce qu'il est en train de faire. L'intérêt de faire monter un peu la construction. Ah, attention, Yashichi de nouveau. Yashichi dans les hauteurs. Ah, cette fois-ci, il va mourir. Yashichi, à force de jouer au con, bah, ça lui a pas réussi, même s'il était à 800 et qu'il essayait vraisemblablement de rattraper Nico From Tokyo. On n'a pas joué de manière assez sûre, monsieur Yashichi. Alors, c'est bien, hein, c'est bien, mais c'est trop. Voilà, en tournoi, c'est beaucoup trop. Hein. En tournoi, il vaut mieux faire une partie pas trop rapide. Oh là, miss drop, là, d'ailleurs, du côté de Jinpachi. Il a complètement oublié de ramener la pièce sur la gauche. Alors Jinpachi, hein, qui est en bas à gauche, juste à côté de Nico From Tokyo.
Donc, Nico From Tokyo est toujours en tête avec ses 880. Est-ce qu'il va se faire rattraper? On sait pas trop. 160, 50, 960. C'est au coude à coude là pour SAL et Maki Maki. Maki Maki en haut, à gauche. SAL en bas, à droite. CRC Gloom qui est entre les deux. CRC Loom qui essaye de... Ouais, je vais l'appeler CRC hein, parce que là ça va me faire chier un pseudo comme ça. Là aussi, c'est pareil. Hein. Quand vous faites les tournois de Tetris, prenez des vrais pseudos quoi. Arrêtez avec les trucs bizarres entre Monkey Key. KFC, je sais pas quoi. Bref, arrêtez, arrêtez. Allez, on va voir un grand duel. Là, ils sont tous à 900. Non, ils sont pas tous à 900. Nico From Tokyo qui est à 940. Dans les 900, on a aussi SAL. On a aussi derrière Maki qui veut essayer de se qualifier. C'est vrai que ça ça laisse quand même pas mal de possibilités. Là encore, Nico From Tokyo hein, pourrait aller au deuxième tour, ce qui serait bien. Derrière, après, ça va être, je pense, quasiment assuré pour Maki et SAL. Après, reste à savoir ce que ça va donner du côté de Genpachi et CRC. Je pense que CRC est loin quand même. Il vient de passer les 900. CRC, mon avis, ça serait à moins qu'il y en ait un qui finisse pas GM, hein, ce qui est possible. Il a peu de chance pour le moment de se qualifier, mais bon, il a quand même maintenu son jeu. J'ai un jeu beaucoup plus propre à côté. C'est celui d'ailleurs qui actuellement a le jeu le mieux ficelé. Alors ça va finir, ça va, c'est pas... Non, c'est pas Jinpachi qui a passé éventuellement. Ça va, Nico From Tokyo là qui va être GM. Attention, est-ce qu'il va être GM? Est-ce qu'il va être GM? Seulement, est-ce qu'il a ses 126 000 points? Oui, c'est bon. Il est qualifié GM. Maki est passé aussi. J'ai pas donc voir. Bon, Maki a construit en 10 minutes. Une belle partie de Maki. GM aussi, donc qualification pour SAL. Et ça devrait être, voilà, Jinpachi. Sans gros problème, qui... Ah oui, c'est Maki en fait, hein, non, c'est Maki qui a fini, pardon, premier, en fait, il a légèrement terminé, juste un tout petit poil devant, ça s'est pas joué à grand chose, mais devant Nico From Tokyo, donc, et Nico From Tokyo est deuxième, il est quand même qualifié, hein, c'est juste que là, ça avait été tellement vite, ils ont fait, non, ils ont tellement fini en même temps, que, en fait, bah, c'est Maki qui a réussi à quand même à rattraper un retard hein, de 2 minutes 18 en terminant. Ouais, c'est ça, ouais, parce que du coup, lui, il a fait 10 minutes et ouais, 10 minutes et quelques, vous voyez, et 12 minutes 19 hein, pour Nico From Tokyo. Donc du coup, il a eh bien réussi à combler son son retard et donc eh bien à se qualifier hein. Donc on a pas mal de joueurs qualifiés qu'on va voir eh bien s'affronter un petit peu après. Ouais, Nico From Tokyo, je pense qu'il a, en effet, comme tu le dis, Red, je pense qu'il a un petit peu paniqué, qu'il a raté, en fait, sa dernière ligne pour être GM, puisqu'il faut absolument faire une ligne à 999, c'est le cas de tous les fins de section à 99, vous êtes obligé de faire une ligne, et en effet, tu as raison, il a, là, très clairement, on a vu que son jeu, il aurait dû finir à GM un tout petit peu plus tôt, ce qui explique que Maki a fini devant lui. Bon, l'important, c'est d'être qualifié, hein. Là, c'est encore pas trop grave, il finit deuxième, ce qui fait qu'il a sa place dans le deuxième tour, et tout devrait bien se passer pour lui. Allez, ce que je vous propose, après ces deux phases de poule, bon, il n'y a pas eu vraiment de surprise, hein. C'est vrai que peut-être, on va dire que Nico From Tokyo a réussi à se qualifier, c'est très bien pour le deuxième tour, mais dans l'ensemble, là, les niveaux se sont tous plutôt bien succédés, il y a juste SQR, hein, qui a malheureusement, lui, complètement raté, mais dans l'ensemble, pas de grosses surprises pour le moment dans ce tournoi, on se retrouve donc là, dans ce deuxième tour. On va avoir Maki, SAL, Zone, Esken, Nico From Tokyo, Jinpachi, Yoko et Korian. Du classique. J'ai envie de dire du classique. Qu'est-ce qui se passe? C'est quel support? Alors, je vais répondre à ça avant la pub. En fait, ça utilise... donc c'est PCB. Et ça utilise un système Capcom. Alors je sais pas c'est quel type de système CPS. Hein. Alors là il faut que tu ailles voir. Hein. Si tu te demandes vraiment sur quel type de support c'est du CPS, mais je sais plus exactement lequel c'est. Le jeu est sorti en 98. Donc si tu connais les dates des systèmes, enfin si tu connais quel système est sorti à telle date, voilà. Mais en tout cas, oui, ce qui est intéressant de noter, c'est que le premier TGM, donc qui est développé par Araka, est sorti sur un système Capcom. Et par contre, les autres sont sortis sur un système Taito. Donc ils ont changé en fait de système arcade pour les épisodes suivants. C'est du Zen 2 si c'était GM1. Ah, peut-être. C'est du... oui, ça se peut. Alors par contre, ouais, TGM3, c'est du Taito Type X, ça c'est sûr. Oui, c'est peut-être bien du Zen, oui, c'est peut-être bien du Zen 2, oui. Tu as raison, Peps. Enfin, en tout cas, les droits sont chez Capcom.
Voilà, si vous vous demandez la question. Donc c'est vrai que celui-ci utilise un système. Alors c'est là, pour ceux qui n'arrivent pas à se rendre compte, en fait, au début les systèmes étaient de plus en plus gros et le Zen 2 c'est du bon gros système. Hein. C'est-à-dire qu'en plus, d'ailleurs, la carte est à deux étages, si je dis pas de bêtises, sur TGM. En fait, tu as le système en dessous sur lequel tu vas pouvoir brancher ton Penjama et au-dessus, en fait, grosso modo, tu as le jeu. Donc tu as une sorte de grosse plaque imprimée avec deux étages, une deuxième plaque imprimée qui est un petit peu plus petite et qui va aller dessus. Voilà, donc c'est quand même du beau matériel. Mais la PCB du 2 est bien aussi. Hein. Et puis bon, le 3, c'est carrément un mini PC embarqué. Donc c'est une tour de PC dans une borne d'arcade. C'est bien aussi, hein. C'est pas mal. Mais je veux dire, voilà, par exemple, pour ceux qui peut-être qui connaissent les derniers jeux Cave et les systèmes de chez Cave, pas les tout premiers, hein, mais quand ils ont commencé à sortir. Des jeux, on va dire, un peu plus récents pour Cave, les PCB sont assez petites en fait en soi, hein, comparé à ce qui peut exister en termes de taille de PCB, donc des gros circuits avec plein de condos et de la mémoire et plein de choses. Là, c'est vrai que c'était très très mastoc, hein, alors qu'après, on avait quand même heureusement des cartes un petit peu plus petites, et c'est très bien. C'est très bien pour les ranger. C'est vrai que c'est un peu moins encombrant si on vous retrouvez avec des grandes galeries là, comme dans les magasins au Japon, comme GFront, vous avez des espèces de rails où vous mettez les PCB tellement c'est encombrant. Allez, on se fait une petite pause. Alors, sans pub, puisque voilà, hein, tout ça c'est fini, l'époque où on faisait de la pub, maintenant on a tellement d'argent, on n'en fait plus. Donc du coup, une petite pause de 5 minutes pour aller eh bien boire, parce que ça fait du bien, et on se retrouve dans, j'espère, un tournoi qui va peut-être un peu plus haletant, parce que là les deux premières poules étaient un petit peu molles, il n'y avait pas assez de décès, il n'y avait pas assez de surprises. Mais le deuxième tour, je pense que ça va mieux aller. Là, les joueurs se sont ressourcés. Ils ont été voir quelques vidéos de merde sur YouTube. Enfin non, sur Nico Nico, parce qu'on est au Japon. Et du coup, je pense qu'ils vont être complètement opérationnels pour faire de la merde. Allez, à tout de suite pour continuer le commentaire de ce tournoi Tetris The Masters d'Ambient Gaming.
Allez, deuxième partie de ce Beyond Gaming consacrée ce soir au tournoi Tetris The Master 74 qui a eu lieu le 19 juillet 2014. Et nous en sommes au deuxième bourg, au deuxième tour, pardon. C'est la même chose. Donc, nous allons eh bien, retrouver cette fois-ci quelques-uns des joueurs qui ont fait notre bonheur, si on peut dire. Dans la première partie, en tout cas dans les phases qu'on pourrait appeler qualificatives, Nico from Tokyo, Jinpachi, Korian, Yoko, SAL, Maki, Zone, SKEN. Donc cette fois-ci ils sont 8, là, il faut avoir les yeux partout. Seulement 4 vont se qualifier et ensuite on va avoir le repêchage entre tous ceux qui se sont chiés dessus dans le tour d'avant pour eh bien déterminer la demi-finale. Donc Nico from Tokyo commence, hein. Donc là vous voyez que bah du coup comme il est comme c'est un joueur qui construit en qui est GM en 11.52, et bien les autres ils vont avoir quand même pas mal de choses à faire. Même si 2 minutes hein, pour ces joueurs dans l'ensemble c'est vraiment rattrapable, mais c'est que ça va faire une belle petite compétition parce que là vous voyez. On a Jinpachi de 41, Korian de 41, Esken de 53, et puis au milieu, on a Yoko, SL, Maki. Et bah, ça va être à celui qui va réussir à faire la partie la plus, on va dire, performante. Hein. C'est peut-être ce qui qualifierait le mieux ce que les joueurs doivent réaliser, c'est-à-dire rapide mais aussi efficace. On va voir un peu ce que va pouvoir et eh bien ce que vont même pouvoir sortir tous ces joueurs durant ce deuxième tour. Voilà Nico from Tokyo qui commence tranquillement, il a le temps, hein, il aura atteint ouais même en 200 pardon 240, ouais il aura atteint 200, il va atteindre le 200 2040, ouais il sera un peu à 200 je pense. Il sera à plus de 200, il va être à 250, il sera sorti de son ralentissement. Donc du coup, il sera normalement bien. Bon là, il a fait une petite... Oh, c'est pas très très grave là, c'est vraiment rien. Parce que du coup, c'est une erreur qui va se glisser au fond de son jeu au fur et à mesure qu'il va faire... Voilà, bon, la prochaine fois, il va faire un triple. Voilà, là, il fait un triple. À partir de maintenant, eh bien, il va faire un Tetris. Hein. Donc du coup, voilà, c'est quand il y a ce genre d'erreur là, on vaut mieux en effet ne pas s'en occuper et continuer. Allez, ça y est. Là, on voit que les écrans sont en train de bouger. Les joueurs prennent place sur les bornes. Ça y est, c'est parti. Maki, qui n'a pas changé de position, qui est en haut à gauche. SAL a attaqué, Zone, Yoko, allez on attend plus que... pourquoi d'ailleurs 2.25, pourquoi Esken n'a pas attaqué? Je pense que sur le temps de Esken, il doit avoir une légère erreur, 2.41, ou alors il n'y a absolument pas Esken dans cette poule, je ne sais pas pourquoi j'ai laissé traîner le nom d'Esken, pourtant il devrait bien être là, alors je ne sais pas, c'est... Ah non, 2.53, pardon, j'avais lu 2.23, oulala, je m'arrange pas, ça s'arrange pas, la vie qui baisse, tout ça, oui, 2.53, donc c'est normal qu'il n'ait pas commencé cet homme, ok, je croyais que j'avais lu 2.23, je disais mais pourquoi il n'a pas commencé à jouer SAL. Oui donc 2.53, c'est vrai que lui, il n'avait pas de raison de commencer avant. Et bah ça y est, ils sont tous là. Alors là ça fait beaucoup de choses à regarder en même temps, il va falloir avoir les yeux partout. Il y a beaucoup de joueurs qui essayent eh bien, de tutoyer le haut et le sommet de l'ère de jeu pour grappiller quelques secondes, hein, voire même quelques minutes. Et c'est ce qui va peut-être leur permettre eh bien, de doubler Nico from Tokyo qui est l'homme à rattraper. Vous voyez lui il est déjà quasiment dans les 300, il a 280. Attention à l'excès de vitesse quand même. Et derrière, eh ben, ça va essayer de tout faire pour prendre le dessus. Alors après, c'est toujours pareil. Hein. C'est vrai que il y a des facteurs un petit peu aléatoires parce qu'il faut avoir aussi une bonne distribution qui vous permette de vous en sortir bien. Il faut savoir aussi estimer qu'est-ce qui peut être judicieux de faire. Est-ce qu'on doit aller chercher encore plus 2-3 lignes au-dessus, se rapprocher de la... Allez, la dernière ligne ouais, qui nous sépare du spawn des pièces pour gagner du temps. Ou alors, est-ce qu'il vaut mieux sortir une partie, on va dire, un petit peu plus lente, mais sûre, en se disant bah, que la stratégie, c'est que de toute façon, ça devrait rattraper. Et puis, rien ne nous dit que les joueurs qui sont devant ne vont pas mourir, peut-être en sentant, mais la pression s'exercer sur eux. Parce que c'est vrai que...
En fait, dans la salle Codera, les joueurs entendent très certainement. Enfin, je pense. Alors, je dis très certainement, d'ailleurs, je suis pas tout à fait sûr, mais je pense quand même qu'ils entendent un petit peu le commentateur. Donc, du coup, ils doivent avoir un peu une petite idée de la position où ils sont. Pas tout le temps, pas à tous les moments, bien sûr, parce que le commentateur peut pas, on peut leur dire tout le temps, mais il faut savoir que le tournoi, c'est que je précise peut-être pas assez, mais il est commenté hein, dans la salle Codaira. Et après, d'ailleurs, il est mis très vite en ligne. Le jour même, après avoir été fait, eh bien, il est tout de suite uploadé. Ils sont tout de suite uploadés sur la chaîne YouTube de la salle Codera Pier 21, je sais plus comment elle s'appelle d'ailleurs. Enfin, vous avez le lien de toute façon quand je poste. Vous l'avez vu d'ailleurs si en titre de ce stream, et en plus, vous avez toujours le lien sur les vidéos que je poste pour trouver les vidéos originales. Et c'est vrai que voilà, on souligne encore une fois l'énorme travail d'Ataro, qui est le gérant de la salle, s'occupe de tous les points techniques, certainement de la capture hein, de toutes ces parties, et ensuite en plus de leurs commentaires, parce que c'est souvent lui qui commente, sauf quand il joue, auquel cas c'est d'autres joueurs qui vont commenter, et après de tout ce qui est mise en ligne. Et même en soi, en organisation, bien sûr, à l'intérieur du tournoi, la gestion voilà, des handicaps, même si je me doute qu'il est pas, il doit pas être tout seul et qu'il est aidé. Allez, Nico From Tokyo qui va arriver au 500. Bon, pour le moment, hein, c'est début de partie classique, tous les joueurs sont là, et d'ailleurs des jeux partout très bien maintenus, hein, il n'y a rien à signaler. Alors peut-être en effet Yoko qui est à côté de Corian en bas à droite, qui a quelques soucis en bas de son jeu et qui a fait oui, descendre ses erreurs tout en bas. Bon, c'est là où on remarque un petit peu, mais c'est aussi le cas, vous voyez, du jeu de SAL, où il y a une petite erreur en bas. Oh, par contre, Mixdrop, là du côté de SAL. Il était assez. On le voyait celui-là. Il a complètement tout foutu à côté. Il a mis la barre là. Bon, c'est pas grave. Hein. C'est genre quand ça arrive mid-screen, c'est absolument pas grave. Parce que c'est vrai que dans TGM1, il n'y a pas la condition de faire un certain nombre de Tetris par section. Donc, bon, le miss drop, il est regrettable. Il va faire perdre un peu de temps, mais il est beaucoup moins pénalisant que dans les autres TGM. C'est vraiment plus cool. C'est aussi pour ça que c'est ce Tetris qui est choisi pour les tournois, bien évidemment. Ça reste beaucoup plus accessible. Ah, on voit que ça bite bien l'écran là du côté de Jinpachi hein, qui a récupéré toute son aire de jeu, qui s'apprête à attaquer les 500 bien hein, parce que quand vous avez un jeu bien propre comme ça pour attaquer la vitesse maximale, c'est vraiment 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 bien parti, parce que du coup ça devrait défiler à grande vitesse et vous allez pouvoir tirer tout le potentiel hein, justement d'avoir un jeu à 20G, et c'est ce que Jinpachi est en train de démontrer avec sa construction fort agréable à regarder hein, d'ailleurs. Et c'est aussi le cas de Corian actuellement. Hein. Les deux joueurs, là, Jinpachi et Corian, vraiment une très très grande propreté et un aplomb. Alors qu'à côté, vous voyez, Yoko, bon, là c'est un peu plus difficile. Et là on perd du temps parce qu'on casse, on fait d'une ligne par ligne. C'est aussi un petit peu plus difficile pour SAL, là, même s'il n'y a rien de grave. Là, faut il faut qu'il continue à monter son jeu. Voilà, mon problème pour atteindre. Bon, lui, il est déjà à 528. Hein. Et tous les joueurs d'ailleurs, tous les joueurs sont dans les 500 et ils essayent de rattraper Nico From Tokyo. Ils sont plus qu'à une centaine de levels. Hein. C'est pour vous dire que ça va être faisable. Ça devrait commencer à se rapprocher très dangereusement d'ici une petite centaine de levels. L'écart va se faire. Grosso modo, quand il y a un joueur qui en fait 100, un autre en fait 150. C'est un peu l'idée, ça va beaucoup plus vite. On a vu là d'ailleurs SL qui a décalé son pion à Tetris. SL qui est en haut à gauche à côté de Maki. En player 2 sur la borne 1, qui a récupéré une erreur en faisant un puits à Tetris décalé en fait par rapport à l'habitude de le mettre complètement à droite. Attention, là ça joue haut quand même chez Esken, en haut à droite, en haut complètement à droite Esken. Ouais, attention là, non, même si ça devrait être parfait. Oh, cette vision de la distribution, cette anticipation. Ça ne lui pose aucun souci. Ah, elle a pas choisi de casser, ok, d'accord. Donc il a posé la barre à plat. Ouais, ok, il a préféré jouer sûr avec la barre du coup. Parce que c'est vrai que c'était un peu étrange où il était parti. Il avait fait le choix de ne pas casser alors qu'il avait la possibilité de le faire. Il a préféré encore attendre une pièce et après poser la barre à plat. Et en effet, cette fois-ci, commencer à initier la descente de son jeu. Alors ça aurait pu s'expliquer s'il cherchait à ne pas level stopper. Là, c'était pas le cas. Puisqu'il était à. Ouais, il était au son début de level 600. Il n'y a pas de raison qu'il y ait du level stop qui apparaisse ici quand même. Nico From Tokyo là qui commence
à avoir des petits problèmes de survie. Un peu de pression là qui commence à tomber sur ses épaules, du coup il perd du temps, déjà qu'il n'est pas forcément en avance, vous voyez, il est à 765, il y a beaucoup de joueurs hein, qui sont rentrés à 700, c'est la folie là, comment on voit que c'est maintenant que le jeu eh bien, est rattrapé par les autres, hein. Vraiment là le jeu de Nico From Tokyo qui ne suffit plus, et en plus là il est vraiment en train de freiner, hein. Là c'est le gros coup de frein du côté de Nico From Tokyo qui fait plus qu'essayer de ne pas mourir, mais qui ne joue plus en soi là vraiment, hein. Qui joue plus réellement au jeu, la barre il va être obligé de la poser à plat, pas vraiment de choix, le T voilà complètement à gauche, ouais c'est de la survie, mais ça le problème, en plus il a une série d'erreurs décalées en bas de son jeu, ça va être difficile malheureusement, même s'il franchit là les 800, mais derrière ça va arriver tellement vite, d'ailleurs zone à qui il a franchi lui aussi les 800, zone qui est en train de rattraper Nico From Tokyo, et c'est aussi le cas de Maki qui est en gauche. Maki et Zone qui sont là. Et Nico From Tokyo qui lutte, mais lui qui lutte. Oh, il aurait presque pu la poser à plat là-bas. Hein. Il aurait presque pu la poser à plat. Voilà, il y a deux barres quasiment de suite. Nico From Tokyo en son jeu. Et il arrive à recréer un débordement. Et problème, la barre n'arrive pas au bon endroit. Il est en train de lutter là. Vraiment. Aïe, 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 aïe. Ça va être dur avec cette. Ouais, c'est fini. Problème, cette partie était finie là avec le haut du J. Au milieu de son jeu, c'est la fin pour Nico From Tokyo qui va se retrouver donc dans le repêchage. On verra SQR. Ah, c'est vrai que du coup, pour tous ceux qui vont se retrouver dans le repêchage, avoir Nico From Tokyo, ça veut dire qu'il va avoir un écart assez grand, hein, même dans le repêchage. Donc du coup, maintenant, Zone, non, c'est Maki d'ailleurs, c'est Maki qui est en tête, qui vient de passer le premier au son 900, il a 910, il a bien développé sa partie, je pense qu'il va la finir en moins de 10 minutes, puisqu'il a la 915, derrière, alors c'est un peu plus complexe, quoique, il y a beaucoup de joueurs qui sont bloqués à 900, mais on en a deux qui se détachent bien, c'est Jinpachi, hein, qu'il faut pas oublier, qui est à 900, ah mais c'est Jinpachi d'ailleurs qui est en tête, pardon, c'est Jinpachi qui est à 900, j'avais pas fait gaffe que lui était déjà à 960, en même temps, tout à l'heure je disais qu'il avait tellement bien construit, il montrait tellement de l'exemplarité dans son jeu que c'est pas étonnant. Ça va être le premier à finir, ça va être sans doute le premier à plier cette partie en GM, sans doute avec ses 985. Maintenant, il va finir premier, donc lui il sera forcément qualifié. Après, ça devrait être Maki. Ensuite, on devra avoir Zone. Voilà, GM pour Jinpachi, il s'est fait qualifier pour la demi-finale. Alors après, ça va se jouer. Il y a Maki. Oh, Maki qui est bien. Maki qui finit tranquillement. Lui aussi. GM pour Zone. Allez, il n'y en a plus qu'un autre qui va pouvoir se qualifier. C'est peut-être Korian. Ah, Korian et Sahel. Oh là là, ça va être difficile. Un petit peu en retrait. Esken qui malheureusement va être obligé d'aller au repêchage. Ah là là, ouais, ça va donner comme ça. Qui c'est qui va finir GM? C'est Sahel qui finit GM et qui se qualifie pour la demi-finale. C'est un petit peu surprenant hein, que Nikorian. Pourtant, ils n'ont pas chômé un hein, 9,45 et 9,52. Mais ça ne suffit pas. Et à cause de la poule là, qui est vraiment étendue hein, en fait en soi. Enfin, la poule. Là, ce tour de jeu qui était très très éclaté en termes de temps. Avec un Nico From Tokyo qui est d'un côté à 11,52. Et Esken qui est sous les 9 minutes, c'est vrai que ça a fait une chose un peu bizarre là, et ça a été vraiment malheureusement, voire même quasiment impossible de pouvoir attraper. Ouais, du coup, il choisit de casser directement la Nico From Tokyo, il n'a pas confiance à sa construction. Il avait, en fait, c'est assez drôle, hein, mais sa distribution lui a permis de faire une sorte de monobloc, hein, vous avez vu. Et en fait, bah, du coup, il s'est retrouvé avec des pièces qui allaient lui faire des trous dans son jeu. Et il a choisi donc de commencer à les casser. Bon, ce qui va lui faire perdre un poil de temps. Bon, de toute façon, il ne s'attend pas à forcément réussir à tenir. Et lui, c'est vrai que bon, souvent, hein, avec la volonté, c'est déjà de finir ses parties. Après, il se doute bien que ça va être excessivement difficile à chaque fois de passer un tour. C'est déjà bien d'avoir été au deuxième tour. Se sortir de sa poule, c'est pas toujours évident, hein. Parce que vous avez vu que ça arrive très vite derrière. D'ailleurs, il y a des joueurs qui se sont fait piéger. Des joueurs comme bah, Corian et Esken, hein, un petit peu en retrait. Yoko aussi, hein. Yoko qui nous a vraiment fait de belles performances à certains tournois. Et qui là, depuis 2-3 tournois, a du mal. Plus aussi incisif, aussi percutant.
plus peut-être aussi aussi régulier qu'avant. Peut-être qu'il a amélioré aussi d'ailleurs entre-temps. J'ai pas, c'est vrai que des fois je fais pas gaffe. Hein. Peut-être qu'il a amélioré au cours de l'année aussi son temps GM, ce qui fait que ça peut expliquer ses difficultés à être régulier dans les tournois et à réussir à passer les différents tours. Alors Nico From Tokyo qui est parti déjà dans une construction bon alambiquée, mais pas mortelle. Ouais, là il va être obligé de casser. Par contre, c'est bizarre ce choix. Il a complètement retourné son L alors qu'il suffisait de le faire. Je pense qu'il voulait le mettre à la base ailleurs. Et puis après, il s'est dit non, faut que je casse là avec un triple. Et on a vu hein, qu'il lui a fait faire un grand mouvement, tout ça pour aller le mettre à droite. Alors qu'en soi, eh bien, il suffisait de le faire tourner. Parce qu'en fait, grosso modo, le L apparaît. Voilà, voilà, on vient de le voir, vous avez vu. Il faut imaginer que le L, la partie la plus grande, va être horizontale. Donc c'est pas un L couché, c'est un L dans l'autre sens. Et du coup, vous avez juste à lui faire une rotation en appuyant sur B pour réussir à le faire tourner dans le bon sens. Alors en règle générale, alors c'est pas en règle générale, mais dans TGM, donc le bouton A permet à une pièce de tourner sur la gauche. Et le bouton B permet de faire tourner une pièce sur la droite, en sachant qu'il existe aussi un bouton C qui est câblé hein, et qui fait exactement la même chose que le bouton A, ce qui permet en fait de faire des 180 avec les pièces, puisque vous allez enchaîner deux rotations de suite dans le même sens en appuyant avec votre index et votre majeur de manière assez rythmée pour réussir à obtenir. Eh ben, une rotation à 180 quasiment fluide, si c'est bien enchaîné. Coup avec l'index majeur, en fait tap tac et du coup ça passe. Sorte de petit pianotage pour réussir à obtenir ce mouvement qui permet en fait qui permet d'aller plus vite, hein, clairement un peu plus vite, de donner plus de souplesse à votre construction, mais également d'aller plus vite. Des choses qu'il faut absolument prendre l'habitude de faire. Et c'est vrai qu'après, des fois, à grande vitesse, on oublie. Enfin, on oublie. On va dire que quand on est un débutant, c'est vrai qu'à grande vitesse, souvent, on ose moins le faire et on va faire du tap-tap, ce qu'on appelle. C'est-à-dire appuyer deux fois sur un bouton qui fait la même chose, quoi. On appuie deux fois sur le même bouton. Et du coup, ça, c'est moins percutant et moins bien que d'utiliser justement cette faculté et cette possibilité d'avoir ces deux boutons. Qui ont la même action, mais qui enchaînés permet de faire des choses plus rapides. Allez, on va regarder où nous en sommes dans cette partie. 200, 247, 200, c'est quoi? C'est 290 là? Ah non, 300, alors c'est 299, 300 qui viennent franchir par Yashichi. Bon, bien sûr, en tête 370 pour Nico From Tokyo. Alors Yashichi est pas très loin, hein, puisqu'il était à 42 secondes d'handicap. Les autres, vous voyez, n'ont pas atteint tous les 200 d'ailleurs. Il y a Hatchar qui a atteint, Yoko, on a aussi CRC. Et puis bien sûr, bon, un peu plus difficile, même si Korian là, vient juste de passer les 200. On voit que SQR n'y est pas encore, et SKen non plus. C'est tout à fait logique. Puisque eux, ils ont 3 minutes. Hein. Enfin, ça va être excessivement dur pour eux de se qualifier en demi-finale. Hein. La demi-finale semble tellement loin pour Esken et SQR. Attention, CRC. CRC qui est haut là. Hein. Et c'est aussi le cas de Yashichi en bas à gauche, excusez-moi. Et CRC qui est plutôt en haut à droite, lui. À côté de SQR sur la borne 2 en player 1. Et deux jeux qui se sont élevés assez rapidement. Oh là là, par contre, il y a eu un miss drop du côté de Yashichi alors qu'il avait moyen de rattraper ça. Ah, Yashichi. Ouais, en plus là, il se fait un peu troller par le jeu. Il a la pièce qu'il voulait, qui était le T, qui arrive, une pièce décalée. Du coup, il est obligé de placer la barre. Et là, il a complètement ralenti son jeu. Hein. Yashichi, il est en train de stopper pour essayer de ne pas mourir. Ah, malheureusement, il n'a pas réussi à faire franchir le petit seuil, la petite marche à son T pour réussir à se mettre à l'endroit rêvé qui lui aurait permis de récupérer un peu sa construction. Oh là là là. Et alors là, en plus, il prend pas la bonne. Il prend pas la construction. Ah, là, il va peut-être avoir une petite, un petit sursis. Mais il n'a pas les bonnes pièces. Hein. Là, il n'a vraiment pas les bonnes pièces. Il essaie de trouver des solutions, le pauvre Yashichi. Oh là, il miss drop. Ah, il avait la possibilité de récupérer il miss drop et c'est la mort de Yashichi qui quitte ce tournoi puisque là, il n'aura pas d'autre opportunité de se qualifier. Ah là là là, malheureusement.
Il s'est fait un peu avoir par la distrib, mais il avait moyen de récupérer Yashichi là-dessus, hein, très clairement. Mais il a mis ce drop au plus mauvais moment de la panique. Et ça, c'est une bonne opportunité hein, pour SK et SQR. D'arriver, même pour Korian, parce que Korian avec ses 2,36 aussi, il ne doit, doit pas être très seringue, comme Richard Virenc. Ou Marco Pantani. Enfin bon, c'est mal fini, Marco Pantani. Nico from Tokyo qui a atteint les 572. Et qui pour le moment, il s'en sort bien, hein, il s'en sort bien, il fait ce qu'il peut. Parce que c'est tellement difficile de résister quand t'as les mecs qui construisent dans les 9 minutes et que toi tu fais que 11 minutes, même quasi 12 minutes. Hein. Oh, et CRC aussi, et abandonne. Oh là là, dans le pré-20G aussi, il meurt. Oh. Ah là là. Bon, bah là, ça s'éclaircit. Vous voyez, il n'y a plus que 6 joueurs, 4 places. Il y en a deux encore qui vont passer à la trappe. Et ça pourrait être Yoko, parce que Yoko, là, je sais pas ce qu'il fait. Mais c'est absolument pas reconnu, ça, par les Tetris Gunline. Hein. Tetris Company réfute un jeu de la sorte. Alors qu'à côté, on a Hachar, en haut à gauche, qui lui a mis sa colonne au centre de son jeu, fait glisser ses pièces à droite à gauche, continue à construire, essaye d'éviter de se retrouver bloqué avec des échancrures mal positionnées qui lui permettraient pas en fait d'avoir une sorte de toit pentu au centre de sa construction pour bien faire glisser les pièces. Et derrière ça construit, hein, derrière ça construit. Même si on est encore un petit peu loin là, Nico From Tokyo, il y a quand même Hachar hein, qui se rapproche puisqu'il est rentré dans les 600. Nico From Tokyo est quasiment à la fin de son level 600 puisqu'il est dans les 680. Mais il va encore du chemin à parcourir. S'il veut peut-être aller en demi-finale, mais je vois pas trop comment. Je vois pas trop comment parce que là, voilà, on voit qu'il y a 600 aussi qui ont été franchis par Korian et par Esken. Il manque plus que SQR. Ouais, SQR qui est lent hein, dans ce début de partie, puisque Esken a démarré après lui, il est déjà à 624, et vous voyez qu'SQR, alors j'ai pas forcément suivi son jeu, mais SQR n'est toujours pas dans les 600, et il a quasiment ouais, une quarantaine de levels de retard par rapport à Esken. Assez étrange. Esken, SQR qui a énormément de difficultés aujourd'hui, apparemment. Alors après, hein, il peut réussir à les rattraper, hein, tout dépend, voilà, il peut se réveiller, les autres joueurs peuvent être freinés. Il a encore des possibilités, mais c'est vrai que là, s'il n'arrive pas à mettre un coup de fusil quelque part, les qualifications s'éloignent pour la demi-finale. Alors que Hachar, alors tout à l'heure qui construisait pas trop mal, là, à 712, connaît quelques difficultés. Hachar qui est dans les hauteurs. Ouais, ça y récupère avec un petit développé couché de son L. Hachar en haut à gauche. Ouais, il est... ouais, par contre, il pourra pas faire tourner de barre, là, Hachar, avec ce genre de système-ci. Ah si, ok, bien vu, il avait juste la place de la redresser. Parce que soit, en fait, vous avez le temps de la précharger, parce que vous pouvez hein, rentrer un mouvement, en fait, avant que réellement la pièce apparaisse dans l'aire de jeu. Donc, justement, pour la faire apparaître sous une autre position, soit une position plus confortable, hein, parce que les positions initiales des pièces dans TGM, c'est une horreur. Elles apparaissent toujours sur le côté, on va dire, le moins avantageux pour le joueur, hein, à la différence des Tetris modernes, du système World et ce qui peut exister donc dans les Tetris Versus, Tetris DS, Puyo Tetris, tout ça. Là, c'est pas le cas, ce qui rend aussi hein, le jeu plus compliqué. Non seulement il va vite, mais en plus, la position des pièces, bah, c'est pas toujours ça. Et c'est vrai que là, il avait bien vu, en fait, hein, bien évalué, que à cette hauteur, il avait le temps de précharger correctement la barre et la faire glisser à gauche. Alors que c'est en train aussi de lutter du côté de Nico From Tokyo qui malheureusement avec ses 854, j'étais en train de regarder le jeu de Hachar, s'enlise de nouveau. Oh là là, et alors ça par contre, ça va faire du bien derrière, ça va faire du bien derrière, ça va l'air motivé, 832, en plus Hachar est pas en bonne position, c'est-à-dire qu'il est en train de freiner lui aussi sa partie, 823, c'est pas mieux à côté de Yoko, hein, qui a sorti aussi le câble de frein, hein. Ils sont tous au liquide de frein là, ça se passe pas forcément bien, il y a Yashichi aussi qui est mort, ça meurt partout là, non mais Yashichi était déjà mort, pardon, je vais les conneries.
On sait plus ce qui se passe, tout le monde meurt, on a plus, non, il n'y a plus que 4 personnes, Shishi était déjà mort. Mais c'est vrai que pour Yoko c'est difficile. Et du coup, on a qui en tête avec 929, 132, on a un coup d'à coup là entre Corian et Esken. Et SQR, vous voyez, qui est toujours à la traîne, hein, SQR, toujours ses 40 levels à la traîne. Et là, il paye le fait, à mon avis, d'un début de partie excessivement lent. Hein, parce que quand on comparait à Esken, ou alors Esken nous a sorti une énorme partie. Hein. Bon, après, Esken est un peu plus rapide en effet que. Sur le papier que SQR, mais ça joue une vingtaine de secondes. Hein. Joue même pas. D'ailleurs, ça se joue même pas une vingtaine de secondes. C'est 15, ouais, c'est plus 14 secondes. Oh là là, le GM pour 9. Oh, la partie d'Esken. Non, mais pas. Oh là, ok, bon, Esken en 9-20, je crois que voilà, c'est clair. GM maintenant pour Corian qualifié aussi. Oh là, la partie d'Esken, elle a fait mal. Hein. Alors que la partie de Corian en 9-39 est très 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 honorable aussi hein, en tournoi. Et vous voyez par contre c'est plus lent pour SQR mais qui va quand même finir devant Iyoko. On a nos 4 qualifiés hein, bien sûr. Depuis que Hatcher est mort aussi. Alors voilà, même s'il finit pas GM, Iyoko il sera forcément qualifié puisque quoi qu'il en soit, d'autres personnes sont mortes avant lui. Quand il y a trop de freins, ça fait des traces de pneus. Ah, il finit pas d'ailleurs, justement, il finit pas. Ah oui, il est pas 126 000 points. En effet, il finit pas. Il finit pas, Yoko. J'avais pas vu qu'il était pas 126 000 points. Bon, mais il est quand même qualifié. Il est quand même qualifié, Yoko. Oh là là, mais la partie des Skens, s'il nous fait ça dans demi-finale, ça va être violent. Hein. Les autres, ils vont pouvoir bien se tenir. Allez, la grande demi-finale. Wow, on se fera une pause, on se fera une dernière pause pour la finale. Allez, on est parti pour la demi-finale parce qu'on est lancé. Donc, Maki qui a lancé les hostilités. SQR, de toute façon, il va être rejoint très vite. Ils sont tous à une trentaine, 45 secondes d'écart. Ça va être tellement impitoyable cette demi-finale. Alors, SQR, Ryoko, Esken, Jinpachi, Korean Zone, SAL. Voilà, donc là, ça a démarré très vite. Hein. Maki, SAL qui a démarré 7 secondes après lui. Jinpachi, Ryoko, 13 secondes. Et aussi Zone. Et après, on avait un peu plus loin, 33 secondes, Korean. SQR qui vient de débuter. Et Esken qui va démarrer. Ah, c'est vrai qu'en plus là, on peut noter l'absence hein, de Jinpachi, ce qui fait et l'absence de Ko également. Oh là là, qu'est-ce qui se passe? La vidéo. Alors ça, c'est la capture. Hein. Ça, c'est la capture de leur borne qui malheureusement, a priori, un petit souci. Rendez-nous. Allez, voilà. Non, c'est là. Ça reprend ici. Voilà, ça y est. Rendez-nous notre demi-finale. On va voir ce qui se passe. Capture qui a eu des soucis. Pour la salle Kodaira. Donc oui, je disais en l'absence de Ko, de Meso et de 777 aussi, hein, c'est vrai que ça permet à Esken d'un peu plus avoir de possibilités parce qu'il est souvent noyé. Même si au final c'est pas ces gens-là qui gagnent, mais ça peut être ces gens-là qui font en sorte qu'ils n'arrivent pas à passer les tours parce qu'ils sont un petit peu plus rapides que lui. Et du coup après quand ça bataille, genre dans les repêchages ou dans la demi-finale ou dans les deuxièmes tours, mais il n'arrive pas à aller plus haut. Et là, peut-être que Esken a une revanche à prendre. Peut-être que là, il va pouvoir essayer, en l'absence d'Ecador, réussir un pari, à essayer de construire plus vite que les autres, de se hisser aux différents tours. Et là, il a vraiment une chance. Hein. Même si ça va être dans un mouchoir de poche, ça va aller tellement vite. Parce que là, les joueurs, vous voyez, ils sont tous quasiment. Alors, pas tous. Exactement au même niveau, mais je veux dire là par exemple en termes de section, ils sont tous dans la même section, ils sont tous dans la section 100-200. Ça, il n'y a pas de surprise quand tu commences avec à peine au maximum 45 secondes, même pas de la minute. C'est sûr que là, la moindre erreur va coûter excessivement cher. Hein. C'est-à-dire que la moindre pièce mal placée, ça va être tout de suite une place de perdue. Hein. On va pas pouvoir la récupérer. Donc il faut faire excessivement gaffe. Donc tous les joueurs doivent être sous pression quand même. Hein, parce que là, ils savent que ça dépend vraiment quasiment que d'eux. Alors que des fois, quand. Oh, c'est la mort de Corian. Oh là là, Corian à 200. Vous voyez, quand je vous dis qu'il peut avoir un peu de pression qui naît de ça, pourtant, bon voilà. Bon, Corian, c'est vrai que c'est le joueur
qui déçoit toujours un petit peu. Pourtant, il est fort, hein, mais il arrive pas, alors qu'il a tellement de moyens dans son jeu de faire des choses, tellement moyens. Et ouais, c'est peut-être ça aussi, la pression, le fait que les joueurs soient tous au même niveau, des handicaps très, très restreints. Là, du coup, dans les têtes, ça doit un petit peu tourner aussi parce qu'on sait que la moindre erreur, eh ben, c'est un tel qui va passer devant, un autre qui va passer devant. Surtout que là, il n'y a que 4 places, hein, pour la finale. Afin que chacun joue sur une borne. C'est pareil, gros miss drop là du côté de Yoko en haut. Enfin, gros miss drop. C'est qu'il était assez évident, il avait le carré à poser dans une vague de 2, il l'a posé complètement à côté. Yoko qui lui aussi. Oh, c'est quoi ça? Oh, ce mouvement complètement raté avec le J, le développé couché du J qui n'est pas passé. Il y avait un bout de la rotation, mais le lock est sorti avant la fin de la rotation. Malheureusement pour Yoko, ce qui explique hein, qu'il a du mal, hein, s'il est construit et qu'il fait ce genre d'erreur tout le long de ses différentes parties là, dans ce tournoi, pas étonnant qu'il n'arrive pas forcément se montrer plus agressif, hein, parce que ce genre d'erreur est très très pénalisante, hein, ça fait tout de suite perdre beaucoup beaucoup de temps, c'est agaçant en plus, hein, quand t'as un couloir pour poser une pièce et que tu rates, ah, tu t'en veux. Tu t'en veux tellement. Après, hein, c'est aussi le jeu qui est fait un petit peu aussi presque pour, mais il est impensable, quasi, enfin, une partie parfaite, ça n'existe pas hein, pour un humain à TGM. Tu vas toujours plus ou moins faire une erreur, hein, soit parce que la maniabilité va un petit peu t'échapper, soit parce que la distribution va se foutre de ta gueule. Mais il y a tellement de sources potentielles d'erreurs, surtout quand tu cherches à jouer vite comme ça. Après, il faut savoir en tirer parti, ne pas rester bloqué sur une erreur. Ce que ces joueurs savent en règle générale très très bien faire. Hein. Continuer à construire malgré certaines erreurs. Qui pour d'autres joueurs seraient tout simplement l'abandon et ils ne voient pas comment s'en sortir. Mais pour eux, c'est normal. Et c'est vrai que les facultés hein, de reconstruction, de rétablissement rapide sont essentielles. Donc, 500 qui a été. Alors là, on va voir un peu plus qui a réussi à se sortir de cette première vague. Bon, Maki a conservé son avance, hein, il est toujours en tête. Mais vous voyez derrière lui, Jinpachi qui est déjà là, avec 520, dizaines de levels d'écart entre les deux hommes. Et bien sûr, il y en a d'autres hein, qui sont là. Mais vous voyez, à comparer, Jinpachi a construit plus vite que Zone, puisque Zone a une dizaine de levels, même voire un petit peu plus par rapport à Jinpachi, alors qu'ils ont commencé tous les deux avec un handicap de 13 secondes. Et c'est aussi un peu le cas de SAL. Qui s'est déjà fait lui aussi déborder. Et d'ailleurs, ouais. SQR qui est mort. Oui, je l'avais pas remarqué en fait que SQR vient de mourir. Je sais pas s'il vient de mourir. Que je fais tiens, il n'y a pas que Corian. Il y a aussi SQR. SQR absolument pas là. Hein. Oh là là, là là, vainqueur pourtant de trois tournois consécutivement et assez récemment là. Et là, dans ce tournoi, l'absence totale, le pas de jeu. Oh là là là, SQR qui n'ira pas du tout en finale. Ah ouais, c'est assez surprenant hein, ce tournoi là quand même. Beaucoup beaucoup de fails et de joueurs forts hein, quand même. Parce que là, les premiers qui ont craqué ici, c'est Corian et SQR. Et B, c'est une demi-finale qui est difficile. Hein. Demi-finale qui est très difficile. T'as un SQR qui sort du repêchage justement. Il avait réussi à passer son tour, mais qui là meurt de manière assez précoce. Donc du coup, bah, ça doit être Jinpachi hein, qui est en tête, hein, même si Maki lutte, mais s'est déjà fait dépasser. Jinpachi qui est devant, avec un jeu assez clair, hein, je pense qu'il a encore de beaux jours devant lui. Et il faut quand même pas trop qu'il tarde, hein, parce que vous voyez, Zone et SAL le talonnent. Alors il y a un petit peu d'espace. Maki qui arrive quand même à passer son level 700 plutôt proprement, alors que son jeu ne l'est pas du tout. Il a réussi à s'en sortir. Maki hein, qui va encore peut-être rester justement dans le sillage de 777, même s'il n'y a pas beaucoup d'écart entre les deux, il est clair que 777 est devant. Et on va voir un peu si bah ça va se distancer ou si Maki va reprendre du poil de la bête. Enfin, mon Kiki, même on pourrait dire qu'il reprend du poil de la bite. Hein. Au point où on en est avec ce joueur, il a tellement pris cher en ce tournoi.
Mais en tout cas, là, il est bien passé, peut-être pour accéder à la finale. La grande finale. Allez, il y a peu de joueurs hein, qui vont réussir. Parce que vous voyez, c'est déjà râpé. Je pense que c'est déjà râpé pour Ryoko et Esken. Hein. Ils sont tellement loin, alors il va falloir des morts. Hein. Il va falloir des morts, sinon. Mais ouais, pour Jinpachi, ça semble se dessiner. Ça semble s'éclaircir. Oh là là, sauf qu'il vient de mourir. Oh là là, j'étais en train de regarder l'autre joueur, je me retourne, il meurt. Oh là, Jinpachi, non! Oh là 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 là, alors que Jinpachi avait, à mon avis, un boulevard pour se qualifier, Jinpachi qui décède. Oh ya 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 ya, ce tournoi, qu'est-ce que c'est que ça? C'est la chaleur, c'est la chaleur, c'est pas possible, il peut pas en être autrement, des joueurs aussi forts. Qu'est-ce qui vous arrive? Qu'est-ce qui s'est passé en juillet? Oh là, le miss drop de Zone aussi, non mais franchement, Zone il a une pièce à placer, il miss drop en plein milieu. Oh c'est affreux, les conditions sont dantesques dans la salle de. Je ne sais pas ce qui arrive dans la salle Codera, mais alors là, plus rien ne va quoi. Si même Jinpachi décède, si Zone n'arrive plus à mettre de pièces. Où va-t-on? Où va-t-on? Donc on a nos quatre qualifiés. Hein, voilà, il faut pas chercher puisque du coup, à force de mourir, bah il y a plus personne. Hein, Korian, Esken qui est mort aussi. Hein, oh là, on l'a complètement oublié, mais il est mort aussi. N'importe quoi. N'importe quoi. Esken qui était bien parti et qui est décédé au plus. Bah voilà, donc deux qualifiés. Maki Maki, Iyoko, Zone. Et SAL, alors ça va être une finale un peu inédite, hein, parce que bon, Yoko, on le voit en finale. Maki, ça lui est arrivé aussi, mais alors Zone, et SAL, ça lui arrive, mais c'est plus rare quand même. Zone, alors moi je crois que c'est la première fois que je le commente, et bah, directement il accède à une finale. Mais alors là, je sais pas ce qui s'est passé. Alors en plus, des fois, bon, ça peut arriver que ça soit à cause de la personne qui soit directement à cause de vous, que vous perdez, mais là on voit que c'est vraiment un joueur par borne qui est mort. Sauf sur la borne 3, Korian et Jinpachi. Korian était mort depuis plus tôt. Ah non, mais là, c'est en effet, je vois vos réactions dans le chat, c'est vraiment n'importe quoi. Ah, ça faisait longtemps qu'on n'avait pas eu un tournoi un peu what the fuck. C'est vrai que ça arrive. Hein. J'ai eu par le passé des commentaires de tournois où tout le monde mourait, on n'avait même pas les fins de partie. Enfin, c'était. Ah ouais, il y a des fois, c'était vraiment olé olé hein, les tournois. Je sais pas ce qui se passait, mais là. Oh là là, alors, ils sont quand même GM, hein, bonne partie. Voilà, félicitations à ceux qui sont qualifiés. Ils sont GM, on va voir. Ils devraient être GM aussi, je pense, Yoko. Il a quasiment fini. Voilà, tous les joueurs qui ont fini autant de 10 minutes. Alors, par contre, tous les joueurs qui se sont qualifiés là, du coup pour la finale, ils ont à peu près le même niveau. Hein. Ça, c'est assez intéressant de le noter. Ce qui va peut-être donner une finale assez ouverte. Ah, il finit même pas GM, Yoko. Non, mais Yoko, lui aussi, il est pas là. Hein. Oh là là, il a dû rater. Alors, il a fait les 126 000 points, mais il a dû rater une section intermédiaire au niveau du S4 ou du 1. Parce que. Il y a d'autres petites subtilités, même s'il n'y a que quelques seuils à réussir. Et bien décidément, on va avoir une finale un peu spéciale, dans une ambiance un peu spéciale. Allez, on va se faire une petite pause après tout ça pour se remettre de ces événements et des gens qui disparaissent. Une courte pause et on va suivre cette grande finale qui va être certainement inédite. Je ne sais pas si elle sera spectaculaire, mais il y a eu des belles morts. Voilà, on aura quand même vu des belles morts dans ce tournoi. Alors je ne sais pas ce qui va en être de la finale. C'est le moment de faire ses pronostics. Alors là, vous avez. C'est bon, alors ceux qui ont dit 777, c'est perdu. Mais ceux qui ont dit Esken aussi. Mais là, on sait pas. On sait vraiment pas. Hein. Alors, Maki Maki qui va commencer. Zone. Iyoko. Alors, Iyoko, il a pas l'air en forme. Hein. Moi, je parierais pas dessus. Hein. Ouais, qu'il a l'air quand même d'avoir un petit reste de je sais pas quoi, d'allergie, des choses qui passent mal, des gladiots qui ne sortent pas. Enfin, je ne sais pas. SAL, peut-être. SAL, on sait pas. Hein. SAL qui pourrait sortir son épingle du jeu. Qui est un joueur qui est pas mal habitué au tournoi. Qui en a fait beaucoup. Certainement plus que Maki, Zone et Yoko, donc peut-être l'avantage de l'expérience, de l'âge, l'homme mûr, l'homme vaillant, l'homme qui a de l'argent aussi, qui a eu une réussite professionnelle certaine, qui peut prétendre eh bien, à enrôler quelques jeunes étrangères au détour d'un bar malfamé après deux tequilas. Eh bien, nous saurons ça tout de suite après une pause. Allez! On se rejoint, voilà, on se rejoint tous ensemble. Allez, tous au fucking Blue Boy, tout de suite maintenant. Allez, on se retrouve après une petite page de pub pour la finale de ce tournoi The Masters. À tout de suite.
Ah, après une musique pareille, on n'a qu'une envie. C'est vite de reprendre le tournoi. Qu'est-ce que c'est que ces musiques de merde que je jouais pendant la pause? C'est de pire en pire. C'est carrément de pire en pire. C'est inadmissible. Bon, allez, c'est enfin la grande finale de ce tournoi de juillet. On n'en peut plus. Ils sont tous morts. Il n'y a plus personne. On comprend rien. On ne sait pas ce qui se passe. Alors, déjà dans la chatroom, tout le monde a bien sûr à miser sur mon Kiki. Alors, bien sûr, sur Twitter, vite, hashtag mon Kiki. Tous derrière, eh bien, la performance. De ce joueur que nous allons suivre. On est tous derrière mon Kiki. On tient à mon Kiki. On va serrer mon Kiki tendrement contre soi. On va le cajoler. Et on va tout faire pour qu'il arrive à donner le meilleur de lui-même dans une explosion, si vous voulez. Un feu d'artifice. Si vous voyez ce que je veux dire. Allez donc, mon Kiki qui est en bas à droite, et on va le suivre de très près, on va le suivre au poil, je pense. Il faudra quand même qu'il affronte. C'est le premier à commencer, hein, donc il a l'avantage d'être le premier. Il est tout frais, il est frétillant, mon Kiki frétillant. Il est là, il est là, il est propre, il est prêt, il est bien tenu, il est dressé. Et face à lui, Yazone quand même. Il y a Yoko et il y a SAL. C'est sale, hein. C'est sale ce qui se passe. Il y a sale à côté de mon Kiki. Ça devient quand même compliqué de commenter les tournois Tetris, je trouve. Changez le pseudo, messieurs. S'il vous plaît, changez le pseudo. Je n'en peux plus. C'est de plus en plus de la merde à cause de vos pseudos, hein. Je sais pas si vous vous en rendez compte quand même. Vous, joueur japonais, qui êtes l'élite mondiale sur TGMA, achetez-vous des pseudos. S'il vous plaît, je ne sais pas, faites quelque chose parce que là, ça devient incommentable. Bon allez, on voit une bonne remontée de mon Kiki qui sort la tête de son slip et qui va essayer bien de continuer à mettre quelques Tetris. Ah, il continue, hein. Il est bien en tête, là on le voit, il est beau, il est magnifique. Oh là là, ce jeu, regardez, il attend plus que la barre, il attend plus que la barre qui va sentir. Ah, il met la barre à plat, ah, il met la barre à plat. Donc là, ça veut dire qu'il n'est pas sûr, hein, de son approche. Là, mon Kiki tente une approche en deux temps. C'est-à-dire qu'il sent qu'il a la culotte à portée de main, vous voyez, mais il n'a pas encore payé la note de l'addition. Donc, il fait attention et on le comprend. Il préfère y aller tout en tendresse. Il préfère eh bien, d'effleurer le terrain, mais
tout en douceur, si vous voulez, comme s'il rentrait dans un champ de coton. Et on va voir un petit peu, mais il continue quand même d'atteindre des sommets. Et là, il vient de franchir le level 200, mais les autres aussi. Attention, hein, sale, la saleté se rapproche de mon kiki, les impuretés qui se logent entre là, hein, ici, vous le voyez, entre les poils et les couilles, eh bien, sont là juste derrière lui. Et mon kiki a fort à faire. Alors, de l'autre côté, c'est plus. Il y a plus, si vous voulez, de liberté. Zone. Ah, zone qui vient de mourir! Zone qui vient de décéder! Alors, déjà qu'ils étaient 4, ah bah, zone qui meurt! Oh, ça continue, hein. Ça continue, hein. Cette série de MST en juillet à la salle Kodaira, n'y allez surtout pas, hein. Sortez couverts, enfin, surtout ne rentrez pas dans cette salle, c'est dégueulasse, c'est vraiment dégueulasse. Vous croyez de jouer à Tetris, et du coup, vous faites polluer, vous faites remplir. Enfin, c'est n'importe quoi. Et là, c'est. Bah, en même temps, là, c'est la porte ouverte à toutes les fenêtres pour mon Kiki. Là, mon Kiki a une opportunité, hein. Il a une opportunité de voir le loup. Il est parti. Allez, ton mon Kiki qui est toujours en coude à coude. Ah ouais, non, il n'est pas devant, hein. Il n'est pas devant. Il essaye, hein, vous voyez, avec son petit gland de réussir à passer, mais il y a toujours sale, sale est là, les impuretés sont là, les morpions sont là, et il va essayer, mon Kiki, de tout faire pour se nettoyer, de se libérer de ses chaînes, ce forçat de l'amour, j'ai envie de dire. Il va essayer, hein. Il va essayer tout ce qu'il fait, mais pour le moment, Sal est toujours en tête, avec quelques levels, une dizaine de levels, et derrière, attention, il y a Yoko, il y a Yoko, ah, Yoko aussi est en train de passer devant mon Kiki, tout le monde est devant mon Kiki, ah là, mon Kiki, ah, mon Kiki, ah, mon Kiki, qui est en train de vivre ses derniers instants, non, rendez-moi mon Kiki, je veux le voir, ah, non, c'est le décès de mon Kiki, oh non, oh là 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 là, oh, c'est fini, ah oh, là là, il vient, malheureusement, il vient de raccrocher les gants à une soirée qui lui était complètement offerte, comme une soirée passé, eh bien, sur Live Jasmine avec toutes ces divas de l'Europe de l'Est qui se présentent à vous, culotte. Culotte en main, et mon Kiki a laissé passer sa chance. C'est la déception. Je pense qu'on peut arrêter de commenter ici. Je crois ce tournoi, ça n'a plus aucun intérêt. Mon Kiki n'est plus là. Je veux dire, moi je m'en fous, hein. Voilà, il est déjà parti se coucher. Bon, là, on va quand même regarder SAL qui va essayer de tenir quelques levels qui séparent des 500, donc de 20G, mais alors le jeu va vraiment s'accélérer. Et derrière, bah, Yoko qui cravache, mais que, alors il manquerait plus que Yoko meure, et alors ce tournoi n'aura aucun intérêt. Alors là, si Yoko meurt, c'est la fin des comédies. Alors Yoko en plus qui est en train de jouer vraiment très haut. Là, 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 on a ce souffle, ah, c'est bon, là, parce que là, si en plus la finale s'arrête comme ça, moi je remonte à billet, j'arrête de commenter ces tournois de merde. Parce que là, faut quand même pas déconner. On m'a dit, voilà, moi je me suis dit, je vais commenter des tournois, il y a du spectacle. Les mecs ils meurent tous, ce qui fait qu'on se retrouve avec un mec tout seul en finale, ça n'a plus aucun intérêt. En plus, mon Kiki est parti. Donc honnêtement, c'est. Voilà, je suis déçu, moi je suis complètement déçu là, vous savez pas la déprime qui m'anime là. J'ai perdu mon Kiki, c'est un accident bête, hein. Tout se passait bien, il était en tête, voilà, la frisouille était sortie. Je veux dire, bon, tout était bien parti pour une belle soirée, et puis, bah, voilà, au détour d'un virage, ça a foiré, ça a foiré. Ah là là, encore être obligé de dormir sur la béquille avec le mon kiki tout plié. Ça va être compliqué quand même, ça va être compliqué. Alors donc, pour le moment, SAL, hein, qui est pas sorti d'affaire, vous voyez, Yoko qui tient bien tête, alors que pourtant Yoko avait un jeu beaucoup plus désastreux que SAL, et bien il est quand même revenu à nettoyer, à réussir et à parvenir à nettoyer son écran, donc Yoko qui est toujours là, donc on va peut-être avoir un semblant de finale, un duel, même si SAL est en tête, ouais, on peut dire presque assez. Assez largement, je sais pas, mais enfin bon, il est en tête, quoi. Hein, vous voyez, c'est puisque on a quand même Yoko qui est à quoi 600, et on a SAL qui est tranquillement à quoi lui. Attends, il a combien? J'arrive pas à voir. Il a 600. Non, ouais. Tranquille, tranquille, on sait pas. Ils sont à 5 levels d'écart, peut-être. C'est difficile à voir. Je pensais qu'il avait réussi à prendre un peu plus le large SAL au level stop, en fait, enfin au passage entre 500.
500 et 600, et puis non, hein. Du coup, il n'arrive pas pour le moment complètement se débarrasser. Vous voyez, un coup 10 level, un coup 5 level, ça va dépendre des Tetris. Pourtant, il a la plus de possibilités, la SL, qui va essayer de trouver quelques attaques. Alors, quelques attaques, c'est bien... C'est pas vraiment le cas puisqu'on s'envoie pas des dégâts, mais en tout cas quelques Tetris et quelques mouvements pour essayer d'aller plus rapidement que son adversaire. Surtout que là on voit quelques difficultés du côté de Yoko avec une construction qui s'est embourbée. Il essaie de la récupérer par la droite, par la gauche. Et là, ça va par contre, ça va lui coûter du temps. Alors que eh bien il continue sur sa grande progression SAL. Ouais, là il s'est même permis de faire bien monter son jeu. De pas s'arrêter, pas de trop faire en fait du ligne par ligne et de perdre du temps. Il va essayer vraiment, je pense, de creuser l'écart ici, 732. Pourtant, ça se creuse pas tant que ça. Hein. SL, Yoko, pardon, qui s'en sort pas trop mal, même s'il fait quelques erreurs, il arrive à pas trop perdre de vitesse en récupérant assez vite. Hein, qui fait que SL n'arrive pas vraiment à se démarquer. Vous voyez, toujours une dizaine de levels d'écart entre les deux. Ça reste quand même encore assez serré, malgré ce début de finale un petit peu what the fuck, avec quasiment deux éliminations. Coup sur coup, presque au niveau des 500, donc à mi-partie, hein, ce qui est assez tôt en soi. Et eh bien SAL, ouais, qui non, et qui celle qui se fait même encore un petit peu rattraper là maintenant. C'est assez drôle, hein, SAL qui n'arrive pas à clairement eh bien marquer son avance sur Yoko. Yoko qui tient bien et qui ouais, voyez, il a 5 levels, même pas. Il a bien passé son level 800, passant trop level stoppé. Et c'est du coup SAL qui est peut-être en moins bonne position maintenant que Yoko en termes de construction. Et pourtant SAL est toujours un tout petit peu en avance. Elle a trouvé quand même un bon moyen de s'en sortir. Là, il a un puits à Tetris qui est complètement excentré. Mais il a trouvé eh bien, la possibilité de regagner. Vous avez vu un Tetris en faisant une construction et après en récupérant ce qui était au milieu. Ce qui n'était pas forcément apparent. Alors que là, on voit que du côté de Yoko, il a complètement retrouvé une structure quasiment parfaite. Et presque toute la surface de son écran, ce qui n'est pas tout à fait le cas, hein, du côté de SAL qui lui lutte encore pas mal. Elle va faire une pièce là, elle n'est pas venue, donc du coup il est obligé d'utiliser la barre. Il va falloir une autre barre, il va constituer par-dessus, pose. Ouais, il a raison, là il a posé. Alors c'est pas une erreur, hein, ce qu'il a fait, par contre après il a été obligé malheureusement d'en créer une au centre de son écran. On a vu qu'il a posé le L complètement à l'envers, hein, pour faire en fait un sommet plat et faire coulisser les pièces, qui était une bonne idée. Attention quand même, Yoko là, qui a force de vouloir essayer de grappiller quelques secondes, se retrouve en position, alors pas complètement critique, mais pas très très agréable. Oh, c'est bien fait là, il a réussi à parfaitement déplacer son T pour le faire passer au-dessus du gouffre sans le bloquer et atteindre la partie gauche et la zone gauche qui est de son jeu, ce qui en soi est un mouvement qui est pas forcément facile à exécuter, hein. Parce que là on est quand même à vitesse maximum. Ouah, par contre attention, voilà, attention Yoko. Oh là là, Yoko à force de monter, il va plus réussir à voir le bout. Elle est en train de se noyer dans son jeu. Alors Yoko va pas mourir alors qu'on est presque sur la fin. En plus on est presque sur la fin, il reste quelques levels. Oh là 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 là, ça va être SL qui va gagner. Ah là, il meurt Yoko, et victoire de SL. Pfff. Moi, je jette mon micro, quoi. Voilà, bon, ma victoire des Sahel, hein, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise. J'aurais tout fait, hein. J'aurais agité mon kiki tant que j'ai pu, ça n'aura servi à rien. Pfff. Oh là là, ce tournoi. Pfff. Ah, c'est dommage, bon, félicitations quand même à Sahel, hein, parce qu'il a passé les autres tours. Mais alors, cette finale, hein. Aïe, cette finale. Oh là là, l'écran qui se barre maintenant. Oh là là, j'en peux plus. J'en peux plus, tout qui se casse. L'écran qui se casse. Ça ne marche plus. Oh là là. Bon, bah, les gars, Mario à bout, désolé. Désolé, hein, pour ce tournoi qui, malheureusement, alors félicitations quand même pour SAL, mais c'est vrai qu'il aura été difficile. tournoi mémorable. Ah, celui-là, je sais même pas si je vais l'uploader sur YouTube. Hein. C'est tellement minable. Tiens, je vais réussir à faire des vues négatives, hein, si je le mets sur YouTube, celui-là. Enfin, bon, merci quand même à tous d'avoir suivi ce 74e tournoi. Encore une fois, félicitations pour SAL. On s'est légèrement moqué de qui ont un petit peu foutu de la gueule de cette finale, mais bon, c'est vrai que c'est la fatigue. On va mettre ça sur le compte de la fatigue et rien d'autre.
J'espère que ça vous aura quand même plu. Qu'est-ce qui a été déçu? Il n'y a pas eu de jeu de mots sur la marque yaourt Yoko. Non, ça suffit. Il y a eu assez de jeux de mots. On va arrêter. Et toi, tu es déçu, ça risque, tu attendais un jeu, m'attendais un truc du genre mon kiki a giclé. Ah, c'est vrai, j'aurais pu la faire. J'aurais pu la faire. C'est vrai que j'ai pas pensé. Bien, on se retrouve donc quand même, on se retrouvera quand même demain pour Super Play Entraînement pour du Tetris. Alors j'espère que ça sera pas du niveau de mon kiki, que ça sera un petit peu plus relevé. Un petit peu avec une prestation un peu plus énorme, si j'ose m'exprimer aussi. On se retrouve donc également vendredi entre 12h et 14h pour du Super Play Entraînement. La semaine prochaine, si la semaine prochaine, il y aura aussi un Beyond Gaming avant eh bien, deux Beyond Gaming qui n'auront pas lieu pour les raisons de fête de Noël, hein, puisque maintenant je suis mercredi soir, on va pas non plus réveillonner en compagnie de Beyond Gaming. Vous avez des choses mieux à faire, vous avez des dindes à fourrer plutôt que de regarder Beyond Gaming le mercredi soir sur Gaming Live, et c'est tout à fait normal. Et puis voilà, on a fait le tour, donc n'hésitez pas à me suivre sur les différents réseaux sociaux. Je vous mets un petit peu les différents liens dans le chat tout de suite, maintenant, en direct, différé d'il y a 3 semaines. Peut-être qu'un jour on retrouvera les pubs sur Gaming Live, on l'espère, hein, comme ça je pourrais me refaire de nouveau des couilles en or. Sinon là c'est un petit peu la disette, hein, je n'ai plus... Que du foie gras à manger et du saumon. Alors c'est vrai que c'est voilà, c'est des temps qui sont difficiles, hein, puisqu'il n'y a plus de pub sur Gaming Live. On espère que ça va revenir très vite, hein, pour pouvoir manger de nouveau à sa faim et retrouver les repas gargantuesques qui font toute la renommée de Gaming Live et de son CPM. Voilà, merci à tous. Je vous souhaite une bonne nuit. Bah, au final, on a presque fini quasiment à minuit. J'ai quand même fait 2 heures avec ce tournoi, alors que je pensais que ce tournoi ne durait qu'une heure. J'ai quand même réussi à faire 2 heures. Donc c'est de pire en pire. Bientôt, avec un speedrun d'1 heure, je vais réussir à tenir 2 heures. Et je ne sais pas ce qui se passe. En tout cas, on aura quand même encore fait pas mal de temps sur ces tournois. Merci. Regardez bien sûr des vidéos. Allez vous délecter de quelques VOD de Beyond Gaming pour vous accompagner dans cette nuit. On se retrouve demain, on se retrouve la semaine prochaine, on se retrouve peut-être tout de suite. Hein, on ne sait pas. En tout cas, je vous souhaite une très bonne continuation. Aimez le super play, bouffez-en, regardez-en et gaming! Allez, ciao, ciao!